Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir la famille. Je sais que beaucoup d'entre vous ne se portent pas bien, donc c'est pour ça que je ne vais pas demander comment vous allez. J'imagine bien que ça ne va pas. Après la suite des événements que nous avons pu observer du côté du Cameroun, de l'Afrique subsaharienne en général, je peux croire que ça ne fonctionne pas, que ça ne va pas bien. Donc, je vous prie de partager au maximum. Le temps que les frères et les sœurs se connectent et qu'on puisse donc engager notre discussion de ce jour sans tumulte aucun. Donc, allez-y, partagez au maximum, partagez cette discussion au maximum, que nous commencions la discussion de ce soir. Vous avez eu le temps de regarder par rapport à l'affiche que j'ai mise au-dessus de la plateforme qui était consacrée à une discussion sur une thématique assez complexe, assez difficile. Difficile d'un point de vue opérationnel parce que pour parler de la politique africaine et encore parler de l'opposition africaine, il faut vraiment, il faut avoir du temps parce que ça demande beaucoup de temps. Ça demande aussi une lecture très, très kaléidoscopique. Ça demande une capacité de pouvoir observer plusieurs choses à la fois, mais aussi de ne pas voir la politique africaine et camerounaise en particulier comme étant. Comme la politique internationale, parce qu'il y a énormément de points à ce niveau, il y a énormément de choses à apporter, énormément de lectures intéressantes, de perspectives à considérer, que en tant que Camerounais, il nous faut absolument avoir la possibilité donc de se différencier du Camerounais qui parle de la politique et de l'Africain qui parle de la politique. Vous comprendrez pourquoi je veux directement mettre ces nuances-là dès le départ. Le temps que vous partagez, de mon côté, moi aussi, je vais partager. Donc, je vous donne le temps de partager. Comme d'habitude, vous savez, je partage, je reviens et on se dit bonjour, on se salue et on va commencer comme d'habitude. Je vais, tout au long de ce direct, comme vous le savez, bien entendu, donner la possibilité à certaines personnes parmi vous qui veulent bien intervenir dans ce direct, d'intervenir par moyen radio. Par moyen radio, c'est quoi? C'est un moyen audio, pas vidéo. Donc, on ne pourra pas voir votre visage parce que beaucoup de personnes se protègent aujourd'hui en évitant de montrer les visages en public, surtout en ce qui concerne nos affaires d'activisme. Vous imaginez bien que c'est difficile. Donc, pour intervenir. Venir. Deux points. Voilà, donc je vous ai mis un lien et ce lien vous permettra d'intervenir à la vidéo. C'est un moyen radio. Il est facile d'utilisation. Il est très facile d'utilisation. Il vous suffira juste de cliquer sur le lien pour vous retrouver directement dans ce direct avec nous. Donc n'hésitez pas, c'est un moyen radio, vous aurez la possibilité aussi d'apprendre, vous apprendrez beaucoup en vous rapprochant alors de ces moyens, de cette nouvelle manière de communiquer, de cette nouvelle façon de communiquer, d'échanger. Donc voilà. Partagez, partagez au maximum. Je rappelle que pour des raisons simplement stratégiques, je vais de temps en temps renouveler le lien que je vous ai fait parvenir, ainsi pour que tous ceux-là qui sont connectés puissent intervenir et échanger avec nous sur les questions qui font bien entendu l'actualité du Cameroun. Je vais dans ce direct revenir sur des éléments importants comme l'embastillement du professeur Maurice Kamto du côté de son domicile au Cameroun, à Yaoundé. Je reviendrai aussi sur la gestion actuelle de la crise post-coloniale, post-électorale au Cameroun. Désolé pour l'ambiguïté. Donc, je prendrai le temps avec vous de revenir sur des éléments fondamentaux de la politique camerounaise pour le moment. Je salue donc, comme la tradition de notre chaîne le veut, je vais lire les noms là.
Donc, je salue ici Kizito Clovis, je salue ici Gina Valdez, Ngana, très content de te voir, mon frère. Un salut particulier à toi du côté du Nord Cameroun. Bonsoir, Grand Sam, et nous attendons le thème du jour. En vrai, rien ne marche, et surtout chez nous, dans le Grand Nord. Oui, j'ai beaucoup d'informations venant du Grand Nord par rapport à ce qui se passe là-bas. Je prendrai aussi le temps d'en parler, ça rentre dans le cadre de notre discussion qui est consacrée à l'opposition africaine et camerounaise en particulier. Je salue Adèle Flore qui nous dit Allô Stevie, ich ging zum Deutsch Kurs, dir zu schreiben, Weinmann. Warum? Elle nous dit qu'elle a pris des cours de langue en allemand pour pouvoir échanger avec moi. Tu sais, tu peux échanger en français, il n'y a pas de problème. Catalyse indiquait bonsoir, tu sais la sympathie que j'ai pour toi et je ne dirai pas suffisamment des mots ici pour dire merci par rapport à l'action que tu fais vis-à-vis de la chaîne. Tu fais partie des gros soutiens de notre chaîne, de notre média et je rappelle que c'est avec ce genre de soutien que notre média reste objectif et que ceux qui travaillent pour nous, ceux qui travaillent avec nous sont aujourd'hui libres et capables de donner la vraie information, la bonne information, sans toutefois craindre de quoi que ce soit. Donc, merci encore pour l'apport considérable que tu es pour le média. Je salue Elbalak Escobar. Je salue tous ceux qui sont là parce que je ne peux malheureusement pas voir tous les noms. Mais au fur et à mesure, mettez des messages, comme ça je pourrai voir votre nom et vous saluer. Alors, je vais commencer notre discussion de ce jour. Il est fondamentalement nécessaire pour le Camerounais lambda, pour la Camerounaise lambda, de se situer déjà dans ce qu'on appelle la citoyenneté et la non-citoyenneté. Je sais, beaucoup me disent que mes directs sont parfois thématisés, sont complexes, sont compliqués, mais c'est obligé. Pourquoi? Parce que la politique n'est pas quelque chose de simple. La politique demande des rudiments, demande des bases. Et si vous n'avez pas ces bases, vous ne pouvez donc pas comprendre ce qui se passe dans le paysage camerounais. Et c'est pour ça que beaucoup s'engagent parfois sans toutefois être capables de mesurer le pour et le contre et de voir même jusqu'à quel niveau il pourrait s'engager dans l'action politique qui est menée du côté du Cameroun. Donc, chers amis, il est fondamental pour le Camerounais, pour l'Africain, de se définir en tant que tel, soit en tant qu'opposant, mais opposant citoyen d'un pays ou opposant citoyen d'un continent. On parle là de deux espaces bien différents. Il y a un espace qui est réduit, qui est l'espace national, il y a un espace qui est plus grand que l'espace international. Donc, c'est fondamental de comprendre ceci, c'est très fondamental. Dans ce qui se passe au Cameroun avec la politique camerounaise, vous allez voir que l'opposition camerounaise, depuis des années, n'arrive donc pas à faire la différence entre des actions nationales et des actions internationales. Parce que quand vous voyez les partis leaders de l'opposition, leader entre guillemets ici, parce qu'en réalité, il n'y a pas un réel parti leader de l'opposition, puisque l'opposition, vous allez le découvrir tout au long de cette discussion que il n'existe pas d'opposition réelle à proprement parler dans les pays africains subsahariens. Donc, il faut définir déjà la citoyenneté. C'est quoi le Camerounais? C'est quoi le Gabonais? Je parlerai de ces deux pays parce que je les connais un peu mieux. Je parlerai de ces deux pays parce qu'ils sont très proches sur le plan culturel. Vous êtes sans ignorer que le peuple qu'on appelle le peuple du Sud, le peuple Boulou, le peuple Fang, comme on le dit parfois, a une très grande représentativité du côté du Gabon. Le Cameroun étant très proche du Gabon aussi, à travers les échanges commerciaux, à travers des mouvements d'exode, des déplacements de personnes, des migrations, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, il n'y a plus aujourd'hui matière à discuter ou bien à interroger le caractère d'intégration entre ces deux pays-là, dont les deux pays sont des pays frères, comme on le dit en général. Alors, c'est quoi être Camerounais? C'est quoi être Gabonais? Parlons du Cameroun. Être Camerounais, c'est être Camerounais. Puisque si on demande à tout un chacun au Cameroun, c'est quoi le Cameroun? Grand nombre de personnes diront, le Cameroun, c'est le Cameroun. Vous êtes sans ignorer que dans les rues de Yaoundé et de Douala parfois, on entend des gens dire, si tu parles du Cameroun à quelqu'un, ou bien si tu expliques le Cameroun à quelqu'un, et qu'il te comprend, ce que tu ne lui as pas bien expliqué, le Cameroun. Ça veut dire qu'en réalité, il n'y a pas la possibilité pour un individu de pouvoir parler du Cameroun de façon concrète. Et c'est une façon de le dire, mais on le dit en blaguant, on le dit en s'amusant, on le dit en riant, mais le fondamental, le fait vrai que
Il n'y a pas de blague qui ne soit pas basée sur des faits réels. On blague en déformant parfois ce qui est. Dans la blague, c'est une caricature de la réalité dans ce contexte-là. Pourquoi? Parce que quand un président de la République arrive à dire que le Cameroun, c'est le Cameroun, vous comprenez qu'il y a difficulté, il y a impossibilité pour lui à ce moment donné de définir le Cameroun. Et vous savez, il y a quelque chose qu'on dit en philosophie et en littérature, c'est que qui définit une notion la réduit, la circonscrit. Donc si tu définis le Cameroun en tant que personne, tu donnes un cercle au Cameroun, tu le mets dans un vase. Ça veut dire tu vas dire ce que le Cameroun n'est pas. Et en disant ce que le Cameroun n'est pas, tu as réduit le Cameroun à ce qu'il est. Donc, prenez le temps de réfléchir à ça. C'est pour ça que Paul Biya ne pouvait donc pas dire le Cameroun, c'est blablabla. Non. Il n'a donc pas pu définir le Cameroun sur le Cameroun. C'est pour dire que le Cameroun est une particularité. Et le citoyen camerounais donc, ne peut donc pas se définir parce que lui-même n'arrive pas à définir le Cameroun. Vous avez donc des individus qui ne peuvent pas définir l'état dans lequel ils sont. C'est pour ça que pour un Camerounais, il serait difficile de dire, par exemple, ce que c'est que la culture camerounaise. Je ne veux pas ici revenir sur la complexité de le faire parce que le Cameroun est un état qui compte en son sein au moins 256 cultures, donc mélangées, sous-cultures ou cultures, vous voulez appeler ça comme vous voulez. Mais en réalité, ça rend la définition du Cameroun plus compliquée. Alors dans ce contexte, le citoyen camerounais ne peut donc pas se définir lui-même comme étant citoyen parce que l'environnement dans lequel il vit, il ne le maîtrise pas. Il ne peut donc pas le définir et par réciprocité, il ne peut donc pas se définir lui-même. Alors, maintenant parlons des politiciens. Vous allez voir, du côté des politiciens, vous allez voir que l'opposition dans la plupart des pays de l'Afrique centrale ou bien de l'Afrique subsaharienne, ce qu'on appelle le Grand Sud, le Sud global, les pays du tiers-monde, sont des oppositions en général qui n'ont pas matière à devenir, à briguer la présidence. C'est un jeu de démonstration de force qui est clairement basé sur le fait que ces opposants utilisent leur position, utilisent leurs atouts politiques dans un seul et même but, d'intimider le parti au pouvoir. En intimidant le parti au pouvoir, ils se donnent donc, pour ainsi dire, les moyens d'être vus sur le plan politique, d'être vus sur le plan national. Et ainsi, vus sur le plan national, ils vont donc bénéficier d'un, comment dire, ils vont bénéficier des faveurs, entre guillemets, du parti au pouvoir. Puisque le parti au pouvoir ici représente la main pour ceux qui ont fait économie, il y a Adam Smith qui parlait de ce qu'on appelle la main, vous connaissez la théorie de la main cachée. Cette main-là qui est invisible, il y a une main qui donne et celle-là qui vient derrière récupérer, c'est le même procédé qu'utilisent les Occidentaux, les forces jadis coloniales, aujourd'hui néocoloniales pour certaines. Ces forces-là utilisent nos dirigeants, la plupart des dirigeants, comme étant les parties visibles de l'iceberg. Et en réalité, derrière ces personnes, derrière ces autorités, il y a cette main invisible-là qui récupère et parfois qui contrôle l'État. Donc, l'opposition, étant consciente de cela, va donc utiliser tout ce qu'elle peut pour se faire voir et donc revenir comme ces politiciens devant la scène pour bénéficier de quelque chose. Je vais reprendre ce que j'ai dit de façon plus simple. Dans la plupart des pays, vous allez avoir des opposants qui vont vous dire ils sont engagés à 100%, des opposants qui vont se battre dans tous les sens, qui vont militer partout pour ici avoir le maximum de personnes. Bonsoir à toi, Félix. Avoir le maximum de personnes, avoir le maximum d'adhérents, de sympathisants, de militants, si vous voulez. Et ceci dans le but de démontrer à la puissance, ou bien au gouvernement en place, au parti en place, au pouvoir, que eux, en tant qu'opposition, ont le moyen de mouvoir un certain nombre de personnes. Ça devient donc une démonstration de force en ce qui concerne la mobilisation des personnes. Et une fois qu'ils ont fait ça, le gouvernement maintenant
a un devoir de les considérer comme des adversaires. Et en les considérant comme des adversaires, il y a donc un jeu politique qui va se faire entre ces deux groupes politiques, qui ne peut donc pas laisser l'opposant perdant. Pourquoi il n'est pas perdant? Pourquoi? Parce que sur la scène internationale, comme je vous ai dit, les pays occidentaux, les pays de la diaspora, les investisseurs de la diaspora, les pays du Nord global, les puissances industrielles, comme on dit, vont donc utiliser leur atout financier pour choisir soit l'opposant ou bien le parti en place. Et bien entendu, même si sur 14 pays, 10 choisissent le gouvernement en place, 2 ou 4 pays vont choisir l'opposition. Ça fait que l'opposition sort toujours gagnante d'une quête au pouvoir. Et une fois que vous comprenez ceci, vous allez donc comprendre pourquoi la plupart des pays africains qui, depuis 1960, ont engagé la marche vers la libération, vers l'acquisition ou bien la rétrocession de leur souveraineté, si jamais ce fut le cas, ont jusqu'à aujourd'hui des difficultés à avoir une élection réelle. Elles ont des difficultés à avoir une élection réelle. Oui, je veux dire, en quelque sorte, dans tous ces pays, salut à toi, Déborah. Dans tous ces pays, je parle là du Cameroun, du Sénégal, du Mali, du Burkina, tous ces pays ont du mal à avoir une élection réelle. Et c'est tout à fait explicable, c'est tout à fait clair de comprendre cela. Il n'y a pas d'élection réelle parce qu'il n'y a pas de vraie opposition. Il n'y a pas d'élection réelle parce qu'il n'y a pas de vraie opposition. Mettez de côté l'argument selon lequel les opposants doivent se mettre ensemble pour faire tomber le gouvernement en place. Ça ne marchera pas. Vous avez eu la preuve dans les pays comme le Cameroun, que des opposants, même si jamais ils étaient vrais dans leur démarche, ne pourraient jamais avoir l'unanimité au sein de la classe opposante, ou bien de l'opposition, si vous voulez. Parce que ces partis d'opposition, en réalité, pour la plupart, la grande majorité, est constituée par le financement, le capital du gouvernement en place. Pour dire de façon simple, la plupart des oppositions, la plupart des partis opposants dans nos pays africains sont des oppositions financées, parfois créées par le gouvernement en place pour faire légitimer une démocratie. Dans le cadre du Cameroun, par exemple, vous allez voir la plupart des opposants sont des opposants pendant les périodes de campagne électorale. Les opposants sont des opposants quand il y a campagne électorale, quand il y a campagne quand il y a campagne municipale, quand il y a campagne pour devenir député, quand il y a les législatives, quand il y a les présidentielles. C'est à ce moment que vous verrez l'opposition du Cameroun être en ébullition. C'est à ce moment que vous verrez des politiciens du Cameroun sortis de sur terre. Mais une fois ceci terminé, ils disparaissent. Mais le problème, c'est que ils ne disparaissent pas les bras vides. Ils disparaissent avec des sommes de millions de nos francs CFA. Au Cameroun, par exemple, après des élections comme celles que nous avons connues en 2018, au 7 octobre passé, vous allez remarquer, peut-être force a été de constater pour ceux d'entre vous qui sont intéressés à la presse, que il y a, en fonction du taux de vote obtenu par un parti politique, une rétribution financière qui est donnée. Ça veut dire que ceux-là qui partent aux élections partent en espérant avoir au moins un certain nombre de votes. Et une fois qu'ils les ont eus, ils rentrent avec de l'argent en pot. Ça devient en quelque sorte un investissement. C'est pour ça que pendant la campagne électorale de 2018, si vous vous en souvenez, vous allez vous rappeler que certains opposants ne se qualifiaient pas comme opposants, mais plutôt comme étant des investisseurs, comme étant des entrepreneurs politiques. C'est donc un business. Et puisque c'est un business, il est fondamentalement important que vous compreniez que la politique, ce n'est pas quelque chose dans laquelle les politiciens mettent leur cœur. C'est un travail. Et quand on dit travail, c'est qu'il y a une méthode. Quand on dit travail, c'est qu'il y a une façon d'organiser ses sorties. C'est qu'il y a une façon de parler. Et quand on commence à parler, plus en respectant le fond, mais en respectant la forme, on ne dit plus la vérité. Est-ce que je suis en train de dire que tous les opposants sont des menteurs? D'une certaine façon, oui. Parce que la plupart des opposants que nous avons connus jusqu'aujourd'hui au Cameroun sont des opposants qui se sont agrippés
à un défaut du gouvernement en place. Il y a une nuance très importante que vous devez comprendre à ce niveau. Il y a une nuance très importante que vous devez faire à ce niveau. Alors, donnez-moi une seconde, je peux prendre appel maintenant. Voilà, donc pour ceux qui viennent d'arriver, bonjour, rebonjour encore à tout le monde. Aujourd'hui, je parle du rôle ou bien de la place de l'opposition dans les pays subsahariens, dans les pays africains et en particulier le Cameroun. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que la plupart des oppositions africaines, camerounaises en particulier, sont des oppositions qui sont généralement créées comme prétexte pour justifier la démocratie ou pour justifier le processus de démocratisation d'un État. Et si vous ne comprenez pas ça, il serait difficile pour vous d'apprécier l'opposition dans sa vraie valeur. Ça veut dire l'opposition africaine aujourd'hui, l'opposition camerounaise en particulier, est le reflet de l'absence même de la politique dans nos États. On pourrait aller même jusqu'à nier l'existence même des États chez nous en Afrique centrale, dans l'Afrique subsaharienne. Donc, dans le cadre de la politique camerounaise, je peux vous dire clairement que il n'existe pas d'opposition. Et le fait que le professeur Maurice Kamto soit embastillé dans son propre domicile, sous le regard inactif, passif de l'opposition, entre guillemets, démontre encore la théorie que je suis en train de vous donner, qui est celle qui dit que l'opposition camerounaise n'est que le prolongement de l'armée camerounaise. Je reprends ce que je dis. L'opposition camerounaise n'est que le prolongement de l'armée camerounaise. Ça veut dire que les sentiers sur lesquels l'armée camerounaise n'arrive pas à agir sont les sentiers où les politiciens camerounais agissent. Puisque la police ne peut pas limiter certaines actions de peur d'être menacée, de peur d'être traitée de police aux ordres, de peur d'être affichée dans le monde entier comme étant une police comment dire, complaisante au gouvernement ou étant une police qui est clairement à caractère, qui est une milice en quelque sorte. Ces gens sont obligés parfois de créer des partis politiques qui vont venir faire de l'ombre aux vrais partis d'opposition et donc ainsi masquer, écraser tout cela qui, par le plan politique, veulent arracher la dictature des mains des dictateurs qui l'ont créée. Donc, voyez les opposants du Cameroun, les opposants que vous voyez, comme étant des ramifications gouvernementales dont le seul but est de nuire à la création, à la naissance d'une opposition sérieuse. Je vais vous donner des noms. Dans le cas du Cameroun, vous avez des partis politiques dirigés par des personnes comme, disons, Gaga Aman. C'est un parti politique qui semble être sérieux. C'est un parti qui semble être sérieux. Appelle-moi directement alors si ça ne passe pas. Vous pouvez appeler directement par le numéro WhatsApp. Tu peux appeler par le numéro WhatsApp, hein, il n'y a pas de problème. Donc les appels peuvent passer par WhatsApp. Je vais les recevoir pour ceux qui veulent intervenir en direct. Oui, donc toutes ces oppositions en Afrique sont basées sur le subterfuge, sur le mensonge. Des oppositions comme celle de Gaga Aman, qui parle plus du président de la République, de son adversaire politique, que de son projet politique, qui se battent tout le temps pendant les campagnes électorales, mais n'arrivent jamais à mobiliser la foule pour revendiquer quelque chose, n'arrivent jamais à soutenir l'opposant qui a eu le plus de voix qu'eux, reste toujours là pour créer une certaine division. Et lorsque l'élection est terminée, qu'est-ce que ces opposants font? Ils s'attaquent comme une meute à l'opposant qui a eu la seconde place. Pourquoi? Pour lui empêcher de revendiquer quoi que ce soit, pour l'affaiblir de sorte qu'il ne puisse plus avoir l'effectif nécessaire pour briguer le pouvoir à la prochaine élection. Et c'est important de comprendre que le rôle
que joue l'opposition dans la société camerounaise est clair et simple. C'est d'avilir les populations. C'est d'infantiliser les populations. Je vais vous donner des exemples. Quand vous avez des partis politiques comme le SDF, avec des personnages comme Oxi Joshua, qui arrivent à tenir des discours assez importants, assez polémiques, quand ils ne sont pas dans un contexte politique, mais qui jamais ne leur disent quand ils sont en face des médias, ne leur disent jamais quand il y a matière à parler des choses sérieuses, sont des personnes qui exposent les Camerounais qui veulent un réel changement. Et c'est ça qui est dangereux. Donc, dans ce contexte, vous voyez donc que l'opposition camerounaise, l'opposition africaine en général, est une opposition qui se bat pour entrer dans la classe politique. Elle se bat pour entrer dans la classe politique, utilisant le peuple comme trépied, comme échelle pour grimper jusqu'à ce qu'elles atteignent la classe politique, d'où elles vont commencer à manger au détriment du peuple qui les aurait amenées jusqu'à ce niveau-là. C'est de ça qu'il est question dans l'opposition camerounaise, dans un premier point. Et sur le plan social, il faut que vous compreniez que la plupart des opposants que nous avons, vous pouvez regarder autour de vous au Cameroun, au Gabon, au Nigeria, vous allez voir que ces opposants sont des opposants qui, pour la plupart, n'ont pas eu accès ou bien sont sortis de la fonction publique. Pour la deuxième catégorie, elles utilisent le fait qu'elles soient sorties du sentier politique ou bien des arcanes du gouvernement comme étant l'argument pour combattre le gouvernement. Dans le premier cas, vous avez des personnes qui n'ont jamais eu accès à une fonction de responsabilité, qui viennent et disent qu'ils veulent changer les choses pour que ceux-là qui sont lésés par le gouvernement puissent tenir le gouvernement et donner donc la chance à tout le monde de pouvoir jouir, bénéficier de ce que de droit. En réalité, ce n'est pas vrai. Je vais vous prendre un cas plus simple, le cas du professeur Maurice Kamto et du MRC. Il faut que vous compreniez que aujourd'hui, quand on parle d'opposition avec le professeur Maurice Kamto, il y a quelque chose qui est implacable. Il y a quelque chose qui est incontournable. C'est que la politique initiée par le professeur Maurice Kamto, à nos jours, met le Cameroun ou met le Camerounais en face d'un certain nombre de responsabilités. Lesquelles? L'interrogation de la citoyenneté. Vous devez comprendre que le premier échec cuisant de toute l'opposition camerounaise, je dis bien de toute l'opposition camerounaise, c'est d'avoir accepté de participer à l'élection de 2018. Je vous explique. Maintenant, on a avancé d'un point. Je dis le pire échec de l'opposition camerounaise a été de participer à l'élection de 2018. Puisque quand on s'en tient à la définition d'un État, vous comprendrez que le Cameroun, à l'heure où il organise l'élection de 2018, n'est plus un État. On ne peut plus parler du Cameroun en 2018, c'est-à-dire le 7 octobre 2018, pour une raison assez simple. C'est la nomenclature du Cameroun, c'est la forme du Cameroun. Et je ne dois plus ici vous rappeler que le Cameroun, c'est une alliance, c'est un mariage entre la communauté anglo-saxonne, c'est-à-dire la communauté qui parle anglais, qui est dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Nozo, le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, et la partie francophone, jadis occupée par la France, qui se sont mises ensemble. On parle ici de 61, déjà dans un premier temps, et de 72 pour la consolidation de la chose. Ces deux mises sur pied d'une collaboration étatique entre deux entités différentes, parlant des langues différentes, ayant des ancêtres et un passé historique différent, ont créé ce qu'on appelle aujourd'hui le Cameroun. Je passe ici toutes les complications qu'il y a eu, les trahisons qu'il y a eu du côté anglo-saxon avec des personnes comme Ndélé, des personnes comme John Nkufontcha. Je passe ici les ambiguïtés qu'il y a eu avec des avocats de la teneur de Salomon Tamdemouna et de tout ce que vous connaissez comme avocat dans la partie du Nozo, pour revenir à l'essentiel qui est celui qui met le Cameroun comme communion entre la partie anglophone et la partie francophone. Ça veut dire que le Cameroun sans partie anglophone n'existe pas.
tout comme le Cameroun sans parti francophone ne saurait exister. Mais au soir de l'élection du 7 octobre 2018, le Cameroun n'existe donc pas. Pourquoi? Parce que la partie anglophone a décidé de ne plus partager son existence avec la partie francophone. Or, c'est une décision unilatérale. Ça veut dire quoi une décision unilatérale? Une décision unilatérale veut dire c'est une décision qui a été prise sur le plan sur un seul par un seul parti. Ça veut dire qu'il n'y a que la partie anglophone, la partie camerounaise qui parle anglais ou la partie camerounaise qui d'expression anglophone ou bien anglophone ou bien anglo-saxon, tout ce que vous voulez. La partie camerounaise qui parle anglais a décidé de rompre le cordon avec la partie francophone. La partie francophone n'en a pas décidé ainsi. Mais puisque ce n'est que la partie anglophone qui a décidé, il y a donc là lieu de l'unilatéralité de la décision. Et partant de là, on doit se rasseoir avec la partie anglophone et francophone et une tierce partie qui pourrait être la communauté internationale invitée par le bon vouloir de ces deux personnages, de ces deux entités, ou bien l'ONU tout simplement. Ils vont s'asseoir donc pour créer ce qu'on appelle à l'époque le dialogue national. Et vous comprenez donc que sans dialogue national qui devait permettre de comprendre clairement les raisons pour lesquelles la partie anglophone voulait la sécession, de décider maintenant de la structure, de la forme de l'État du Cameroun, une absence ou bien un manquement à l'organisation de quelque chose comme cela ne peut donc pas permettre qu'on parle du Cameroun. Pour ceux qui viennent d'arriver, je suis en train d'expliquer aux Camerounais qui me suivent pourquoi est-ce que, dans le cadre du Cameroun et de l'opposition camerounaise, il y a eu un échec cuisant déjà de l'opposition, pas aujourd'hui, depuis 2018, au départ de la chose politique, de la chose électorale. Et je dis, l'un des échecs cuisants était déjà de participer à ces élections. Donc, d'avoir organisé une élection comme celle-là et d'avoir participé démontre clairement que l'opposition n'a pas jugé, ne s'est pas posé la question de sa citoyenneté. Ça veut dire de sa responsabilité en tant que représentant d'un État. C'est pour ça qu'au début de cet entretien avec vous, je vous ai dit que tout ceci est basé sur deux éléments fondamentaux, la citoyenneté et la non-citoyenneté. Quels sont mes devoirs en tant que citoyen d'un pays? Quelles sont mes responsabilités en tant que Camerounais? C'est pour ça que le droit national, le droit d'un État est basé en réalité sur deux éléments fondamentaux. En réalité, c'est sur deux éléments fondamentaux. Les devoirs, les droits et les devoirs. Qu'est-ce qui m'est donné de faire? Qu'est-ce qui m'est donné d'espérer, d'attendre? Et dans cette configuration, l'opposition camerounaise a fait preuve d'immaturité politique. Parce que l'opposition camerounaise aurait refusé de participer à cette élection parce que le devoir même constitutionnel obligeait l'opposition de ne pas y participer. Parce que y participer revenait à légitimer la forme de l'État à ce moment-là et donc de donner le pouvoir au gouvernement en place de continuer les manœuvres qui se déroulaient déjà là-bas et dont on voit les conséquences déjà que nous vivons aujourd'hui. Donc, d'une façon plus simple, le Cameroun sans la partie anglophone n'est pas le Cameroun. Parce que le Nozo, c'est le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Et cette partie étant coupée, le Cameroun n'est donc plus complet, n'est donc plus un morceau, il est divisé et n'est donc plus le Cameroun. Voilà de quoi il est question. C'est d'autant plus important de comprendre cette notion-là que la situation actuelle du Cameroun. Peu importe les stratégies que nous prendrons pour l'opposition, beaucoup de personnes vont aller droit dans le mur. Beaucoup de personnes vont aller droit dans le mur. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand vous observez par exemple les actions des activistes sur les réseaux sociaux, les activistes sur les réseaux sociaux aujourd'hui sont plus regardés que la plupart des médias camerounais. C'est vrai que le nombre d'observations de vues descend, mais en réalité, ces personnes sont plus suivies, ont plus d'impact dans la société camerounaise que les médias camerounais. Puisque le média camerounais, en réalité, c'est quoi? Le média camerounais, c'est quelqu'un qui est muselé. La grande muette dans les États, c'est généralement l'armée,
Mais dans le cadre du Cameroun, la grande muette, c'est le secteur de l'information. Une fois que vous comprenez ceci, vous saurez donc, étant muselé, mais étant obligé d'exister, les journalistes doivent faire quelque chose de formidable. Imaginez-vous un instant. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour communiquer. Vous avez les microphones, vous avez les appareils de communication, les caméras, les dictaphones et consorts. Vous avez même des institutions qui vous permettent de bien communiquer en tant que journaliste. On vous forme même au journalisme. On vous apprend tout ce qu'il faut savoir dans le métier du journalisme. Mais cependant, sur le terrain, vous ne pouvez pas pratiquer votre métier. Sur le terrain, vous ne pouvez pas interviewer un ministre. Sur le terrain, vous ne pouvez pas questionner un corrompu. Sur le terrain, vous ne pouvez pas revendiquer la transparence ou bien le droit à l'information quand on vous dit non. Vous êtes pris au piège. Parce que si vous abandonnez votre métier, vous mourrez de faim. Si vous continuez votre métier, vous finissez en prison. Alors il faut trouver une sorte de juste milieu. Il faut trouver une sorte de parade pour en même temps ne pas énerver l'État, ne pas se mettre dans une position difficile, traverser la ligne rouge, comme on dit parfois, mais d'autre part, être capable aussi de garder un certain crédit vis-à-vis de la population qui nous suit. À ce moment, il est fondamental de se définir soi-même. Est-ce que je suis un journaliste camerounais ou est-ce que je ne suis pas un journaliste camerounais? Parce que si je suis journaliste camerounais, j'ai un devoir vis-à-vis du peuple camerounais. Tout comme un soldat, je jure de donner l'information vraie. Je jure de travailler pour ma plume. Je jure de rendre compte fidèlement ce que j'ai vu, les choses vues, entendues et ressenties. Mais puisque je ne peux pas le faire, et que l'État ne m'oblige pas à tout moment de le faire, je me sens piégé parce que je ne sais pas où l'État peut agir ou où l'État ne peut pas agir. C'est un dilemme de l'information. Les réseaux sociaux, donc, maintenant, permettent de dire ce qu'on veut, de façon libre, certes, souvent. Et les activistes, donc, puisque les informations qu'eux, ils donnent, puisque les informations que les journalistes donnent du côté du Cameroun, sont des informations qui vont garder le peuple derrière eux, mais ne va pas énerver le gouvernement. Ils vont donc parler de quoi? Qu'est-ce que les Camerounais aiment le plus et qu'est-ce qui ne dérange pas le gouvernement? Eh bien, c'est ce que vous appelez le JAPA. C'est ce que vous appelez le JAPA. Il est plus facile pour un journaliste camerounais qui parle de ce qu'on appelle chez nous les chiens écrasés. C'est ce qu'on appelle l'effet divers en bon français. Il est plus facile pour un journaliste qui fait les faits divers d'avoir l'unanimité de beaucoup de personnes au Cameroun qu'un journaliste, par exemple, comme mon confrère Jean-Bruno Tanier, qui fait un sacré bon travail, d'avoir l'adhésion du peuple. Il est plus facile pour un jeune homme qui n'est même pas journaliste de faire l'adhésion massive de beaucoup de Camerounais sans faire d'efforts qu'un journaliste ou bien que quelqu'un qui se bat réellement pour la cause du Cameroun. Regardez le cas par exemple du jeune homme, des jeunes hommes du Cameroun qui font dans les réseaux sociaux, YouTube, Facebook et tout, mais qui ne parlent pas du problème camerounais. C'est leur droit, ils ne sont pas obligés d'en parler. Mais je dis, ils font plus d'adhésion que ceux-là qui parlent pour répondre à un problème factuel du Cameroun, dont tout le monde souffre. Donc le Camerounais est plus attiré par la chose des querelles, des discussions de bar et tout ça, c'est ça qui les intéresse. Et là, le gouvernement n'a aucun problème. Tant que vous dites que tel gouverneur a couché avec telle femme a fait ci, ça ne dérange pas le gouvernement, puisqu'ils sont protégés en réalité. Et personne du gouvernement, personne du peuple ne va se lever pour aller leur demander des comptes. Mais quand vous commencez à demander que justice soit rendue, quand vous commencez à demander l'établissement de la morale, quand vous commencez à attaquer l'impunité, vous attaquez directement l'État et à ce moment, vous connaissez comment ça se termine. Donc, à ce niveau, les journalistes, alors, qui représentent ce qu'on appelle le quatrième pouvoir, et je vais faire un temps ici pour vous expliquer de ma façon le pourquoi le quatrième pouvoir est aussi puissant et est aussi important dans un pays. Vous connaissez en général trois grands pouvoirs. C'est ce qu'on nous raconte à l'école. Les trois pouvoirs, c'est l'exécutif, c'est le judiciaire, c'est le législatif.
Ce sont des pouvoirs qui sont résumés en quelques phrases simples, en quelques mots simples. Vous pouvez résumer tout ce gouvernement, tous ces pouvoirs en quelques mots. L'exécutif, c'est la tête. C'est ce qui exécute le mouvement. Donc, ce qui donne la coordination, ce qui impulse l'ordre. Vous avez le législatif. Le législatif, c'est l'interrogation personnelle. Est-ce que ce que je fais, je dois le faire? Devrais-je le faire? Ne devrais-je pas le faire? J'ai envie de me gratter, par exemple, le pied. Je gratte mon pied ou pas. L'information est arrivée. Vous avez le judiciaire. Est-ce que je me suis bien gratté le pied? Ou est-ce que je me suis mal gratté le pied? J'ai envie de boire une bière. Est-ce que le fait que je veux boire la bière est normal alors que je vais conduire une voiture? Ça, c'est le problème entre le judiciaire et le législatif. Il y a la bière, il faut la boire. Est-ce que je dois la boire maintenant alors que je vais conduire? Ou bien je l'amène à je la porte à la maison et je la bois ensuite? Voilà les discussions qu'il y a. L'exécutif, c'est un peu l'instance morale d'une certaine façon dans certains pays. Dans le système présidentialiste ou semi-présidentialiste comme ce que nous avons au Cameroun, l'exécutif, en fait, doit consulter plutôt ces trois forces-là pour agir, mais de façon indépendante, parce qu'en réalité, elles sont indépendantes les unes des autres. Mais au Cameroun, ce n'est pas le cas. C'est pour ça que la vraie force du peuple dans un État dictatorial, ce n'est pas le judiciaire. Je vais reprendre ce que je dis. La vraie force du peuple dans un pays dictatorial, dans un État dictatorial, ce n'est pas la justice. D'où est-ce que vous verrez un procureur venir défendre un pauvre dans un État de dictature? Ce n'est pas possible. Parce que le procureur, en réalité, ne mérite pas son poste. Parce que s'il est procureur, c'est parce qu'il a corrompu quelqu'un pour obtenir ce poste-là. Et en tant que tel, de vouloir implémenter la justice va fragiliser son système parce qu'il va rendre justice. Et cette justice-là va, comme un effet butterfly, entraîner des répercussions sur sa personne. Parce que tous sont trempés d'une façon ou d'une autre. Il faut donc se protéger en protégeant les autres. Le pauvre protège le pauvre. Si le pauvre protège le riche, c'est parce qu'il attend du riche que le riche lui donne quelque chose. À ce moment, il n'est plus un pauvre, il est un calculateur. C'est la même chose chez nous. Donc, il n'y a donc plus de justice parce que la justice ne calcule pas. La justice n'aide pas pour attendre quelque chose. Et les procureurs et le judiciaire au Cameroun sont des acteurs, sont des secteurs où il y a le moins de justice. Vous n'avez qu'à voir avec le professeur Kamto qui est embastillé depuis des mois et personne du cadre du corps juridique ne s'est offusqué de ça. Je n'ai pas vu des avocats, lors des avocats du Cameroun par exemple, s'indigner. C'est pour vous dire à quel niveau c'est un secteur qui a moins de justice. On dit parfois près de l'église, loin de Dieu. Vous savez ce que ça veut dire. Donc dans ce cadre-là, la force de l'État, c'est le quatrième pouvoir. La force du peuple, c'est le quatrième pouvoir. Parce que ces individus sont à la fois avec les dirigeants et avec les pauvres, les dirigés. Et de ce côté-là, ils vont nous apporter la justice, ils vont faire ce qu'on appelle l'équilibre de l'information. Et c'est dans ce contexte-là donc que le peuple peut compter sur lui pour lui donner la bonne information et lui rendre fidèlement ce qui se passe et les moyens pour se libérer du joug de ceux-là qui ont pris un État en otage. C'est pour ça que le quatrième pouvoir est fondamental. Le quatrième pouvoir intervient quand les trois pouvoirs ont perdu la main, quand les trois pouvoirs sont corrompus, quand les trois pouvoirs sont, comment dire, sont avides de biens matériels. C'est à ce moment que le quatrième pouvoir intervient. Le quatrième pouvoir, c'est un pouvoir de conscientisation, c'est un pouvoir de rappel à l'ordre, c'est un pouvoir de dénonciation. C'est pour ça que le journalisme est basé sur l'activisme même. Et c'est ici pour moi l'occasion de dire à certains confrères au Cameroun que certains confrères qui me disent que, en tant que journaliste, on ne doit pas se mettre au devant, on doit rester objectif, on doit éviter de parler de politique, on doit éviter de parler du gouvernement. Il faut que vous compreniez quelque chose. Il faut que vous compreniez que le journalisme, les pères, quand je dis les pères, c'est ceux-là qui ont commencé ce métier, étaient des personnes qui ont fait ce travail pour dire
ce qu'on ne disait pas au peuple. C'est en quelque sorte l'activisme de l'information. Parce que n'oubliez pas qu'il est sacré en journalisme de accéder à l'information et de rendre l'information. Donc, les gens Paul Sartre, par exemple, que vous connaissez tous comme étant un grand littéraire, un grand philosophe, étaient des journalistes à la base d'abord. Ils faisaient des papiers. Et ceci dans le but de modéler le cerveau des citoyens de sorte que ceux-ci soient préparés à des changements structurels. C'est la même chose avec nos pays africains. Si vous observez le changement qu'il y a eu dans les pays, vous verrez que les journalistes sont toujours à la clé. Et il n'y a aucun pays sur Terre, il n'y a aucun État sur Terre qui peut se mettre à dos le secteur de l'information. Il dit aucun. Même pas un seul État. Donald Trump aujourd'hui, vous voyez, il représente ce que c'est que l'opposition au quatrième pouvoir. Vous avez vu le quatrième pouvoir déployer son vrai potentiel. Son potentiel qui peut être jugé de façon négative comme positive. Hein. Je ne dis pas forcément que ce n'est que positif, non. Il y a ce qu'on appelle la propagande. En anglais, on appelle ça propaganda, comme en allemand d'ailleurs. La propagande, c'est une stratégie de guerre en communication. Ça veut dire, ces individus vous affablent, ils vous acculent d'informations non-stop. Non-stop. Vous avez des informations qui disent la même chose. De cette sorte qu'à un moment donné, vous êtes obligé de penser comme on vous demande à penser. C'est pour ça que les médias occidentaux ont donné au monde entier à penser que Donald Trump était ce qu'ils voulaient qu'on pense que Donald Trump est. C'est comme ça que les médias occidentaux ont donné au monde à penser qu'on pense du noir ce qu'il est. Il a suffi que ces médias fassent une propagande pour dire, en des années que vous connaissez, par exemple, que le noir n'était pas un être humain, il était un être non pensant, près de l'animal. Vous avez vu comment dans tout le monde entier, le processus d'esclavage s'est vulgarisé comme des traînées de sable. C'est de la même façon qu'aujourd'hui, la chose du racisme est propagée à travers ce genre de propagande, des publicités, des non-dits dans le monde qui amènent toujours à, comment dire, à subordonner les individus que nous sommes, nous venant de cette communauté que vous connaissez. Dans la partie camerounaise, quand on parle en général de tribalisme, le tribalisme au Cameroun n'existe que parce qu'il y a eu cette propagande médiatique visant essentiellement à accroître les velléités, les colères au fond des individus, de sorte que ceux-ci maintenant puissent parler de façon libre. En français, correct, on dit on a libéré les émotions tribales. On a vulgarisé l'expression de la tribalité. On a permis aux Camerounais de ne plus avoir peur de dire qu'ils n'aiment pas un individu de telle communauté ou de dire qu'ils aiment plutôt seulement les individus de telle communauté. Ce sont des tabous qu'on a déverrouillés pour donner libre cours à l'expression des pulsions tribales dans les Camerounais. Ça, ce n'est pas le législatif qui l'a fait, ce n'est pas le judiciaire, ce n'est non plus l'exécutif, d'une certaine façon, mais c'est le quatrième pouvoir. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en réalité, s'il y a tribalisme dans la plupart des pays africains qui sortent d'une élection, vous allez remarquer que la plupart des pays africains qui sortent d'une élection subissent toujours un problème de tribalisme. D'une part, on vous parle des BT. D'une part, on vous parle chez mes frères au Sénégal, en Casamance. Vous voyez qu'il y a toujours des séparations qui sont liées à l'appartenance ou à la définition de notre citoyenneté ou à l'imposition d'une non-citoyenneté. C'est pour ça qu'il est fondamental que vous compreniez que la tribalité ou bien le tribalisme que nous subissons au Cameroun est imposé par le quatrième pouvoir, par les journalistes. Le tribalisme au Cameroun est imposé par les journalistes. Parce que si les journalistes ne veulent pas qu'il y ait de tribalisme, il n'y aura pas de tribalisme. Si chaque média camerounais prend une heure dans 24 heures de sa vie pour parler des bienfaits
d'un groupe culturel, vous allez voir que tous les médias camerounais vont parler en bien de tout le Cameroun. Et il n'y aura donc pas raison de détester tel autre groupe culturel parce qu'on n'aura que des idées positives de ces groupes-là. L'opposition camerounaise à ce niveau, quel rôle joue-t-elle? Elle a encore échoué. L'opposition camerounaise a encore échoué. Elle échoue pourquoi à ce niveau? Parce que il faut regarder la façon dont les États sont construits. Il faut comprendre que l'opposition, ce n'est pas un noyau. Ce n'est pas un noyau d'individus qui décident de vivre ensemble, d'avoir des enfants et de continuer leur vie paisiblement. Non. L'opposition, c'est un groupe d'individus qui pensent, qui se multiplient, qui s'agrandissent régulièrement en fonction du temps, mais qui agrandissent aussi l'adhésion et la compréhension de leur projet politique, de leur idéologie, si vous voulez qu'on dise ainsi. Ça veut dire quoi? Sur le plan de la communication, le MRC doit avoir un réseau qui lui est propre de communication. Le SDF doit avoir un réseau de communication qui lui est propre. L'UPC doit avoir un réseau de communication qui lui est propre. Ainsi de suite. C'est pour ça que dans des pays qui pratiquent la bonne politique, entre guillemets, une politique plus avancée, ou bien qui ont mieux compris ces éléments-là de la communication et l'importance de la communication dans un système politique, ont des écoles de formation qu'elles subventionnent pour avoir des journalistes formés de qualité, des communicateurs formés et de qualité. Je vais prendre le cas de l'Allemagne, pays dans lequel je vis. Vous verrez qu'il y a des associations. Il y a des groupes de financement, ce que vous appelez en français des bourses. Il y a des bourses que des partis politiques donnent pour des formations d'étudiants dans des domaines particuliers. Parce que en finançant, en vous donnant des bourses, ils se rassurent de ce que demain vos services puissent leur être favorables. Et c'est comme ça que vous avez des partis politiques avec des têtes bien constituées. Mais au Cameroun, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'il y a cette notion d'égoïsme-là. L'égoïsme dans quel sens? Vous avez des partis politiques, et j'ai eu le temps de vous le dire à plusieurs reprises. Vous avez des partis politiques qui ont du talent, qui ont de la maturité, qui savent réfléchir. Mais le malheur, c'est que dans ces partis politiques, ce n'est pas vulgarisé. Vous allez me demander comment on vulgarise la bien-pensée ou bien la bien-séance. C'est facile. Dans un parti politique, il doit avoir des formateurs. Le MRC doit avoir des formateurs. Le MRC doit avoir en diaspora. Henri Ndioko, par exemple, qui est critiqué du côté de la France, devrait avoir des formateurs. Ça veut dire qu'il décide que peut-être chaque jeudi, chaque dimanche, chaque lundi, il s'asseye en communauté avec les membres du MRC, les nouveaux ou les anciens nouveaux, les nouveaux anciens, et ils échangent sur les idéologies du parti MRC. Ils s'asseyent, ils réfléchissent et ils s'interrogent sur la faisabilité des éléments proposés dans le plan politique du professeur Maurice Kamto, par exemple. C'est ce qu'on appelle la formation ou bien l'initiation à la politique dans un parti politique. Ça ne se fait pas au Cameroun. Il faut apprendre aux gens à, comment dire, il faut apprendre aux gens à comprendre la politique. Parce que si les Camerounais comprennent la politique, ils ne vont plus dire non, je ne veux pas faire la politique. Non, ils vont comprendre que la politique est essentielle pour le développement même de notre Afrique. Vous avez des individus qui réussissent à vous dire qu'ils sont panafricains ou panafricanistes, si vous voulez, mais qui, dans leur propre pays, disent que non, je ne veux pas faire de la politique. Vous voyez que ça démontre en réalité qu'il y a un sérieux problème là au plafond. Par contre, le Camerounais qui va s'initier à la politique va comprendre que quand il se lève le matin, s'il porte une veste, c'est parce qu'il veut travailler, il veut travailler dans un cadre propre. C'est parce qu'il veut avoir autour de lui des personnes qui sont habillées de cette façon. C'est parce qu'il veut avoir des portes ouvertes pour certaines activités. C'est parce qu'il ne veut pas être confondu à quelqu'un qui ne sort pas habillé de cette façon.
C'est parce qu'il veut montrer une marque de respect d'une certaine façon à celui qui sera en face de lui. Sur le plan africain, on pourrait me dire, la veste n'est pas africaine, donc tu fais la promotion des habits européens et tout. Non, je parle de la veste de façon symbolique. Je veux dire, si vous portez votre boubou le matin, c'est que vous mettez en valeur les éléments de votre boubou et vous mettez donc en arrière les éléments que d'autres habits que vous n'avez pas portés n'ont pas. On vous dit. Donc, c'est un choix qui impacte directement sur votre vie au quotidien. Et en impactant sur votre vie au quotidien, vous vous imposez un rythme de vie et ceux qui sont autour de vous aussi, ceux qui sont autour de vous aussi subissent les conséquences de cette décision-là. Votre décision donc devient politique. Si vous partez au marché et que vous voulez acheter à manger, vous fouillez votre porte-monnaie. Et vous fouillez votre porte-monnaie, vous en sortez 2000 francs. On vous dit que le kilo de viande, c'est 700 francs ou bien 1000 francs. Vous savez donc que vous ne pouvez pas acheter 2 kilos de viande. C'est une évidence. Votre décision sera stratégique, mais politique. Pourquoi? Parce que le prix de votre viande comprend a des composantes que vous devez comprendre. Vous ne comprenez pas ça parce que vous n'êtes pas initié à la politique. Si vous achetez le kilo de viande à 1000 francs, ça veut dire que dans le kilo de viande que vous achetez à 1000 francs, il y a ce qu'on appelle la TVA qui est prélevée. La TVA, c'est la taxe à valeur ajoutée. Et si cette taxe à valeur ajoutée vous amène à payer 1000 francs, ça veut dire que le commerçant ne peut donc pas vendre ça à un prix qui vous permet d'être favorable, à un prix favorable pour vous. Pourquoi? Parce que la politique l'oblige à le faire. Et lui, il a donc sa politique qui va mettre en mettant des prix qui vont qui vont lui permettre à lui de pouvoir joindre les deux bouts. Et vous donc, vous allez être obligé de mettre sur pied une politique nutritionnelle, une politique de nutrition, d'alimentation, qui va faire que vous viviez à votre niveau et votre décision sera politique. Donc même l'habit que vous portez est politique, la nourriture que vous mangez est politique, la femme avec qui vous couchez est politique. Les enfants que vous mettez au monde sont politiques. Quand vous vous asseyez, vous décidez de réfléchir avec votre conjoint ou votre conjointe du nombre d'enfants que vous voulez avoir, c'est une décision, c'est une discussion politique. Si vous avez quatre enfants, la question ne serait pas de savoir on veut combien d'enfants, non. Vous direz, est-ce qu'on a les moyens pour avoir deux enfants, trois enfants, quatre enfants? C'est une décision politique. Pourquoi? Parce que ça tient en compte les quatre éléments fondamentaux d'une société. L'aspect politique, l'aspect social, l'aspect économique et l'aspect culturel. Dans culturel, j'ajoute religieux, hein, si vous voulez. Donc, culture peut être religieux. C'est pour ça que je dis l'aspect culturel, je mets l'aspect religieux à l'intérieur. C'est fondamental que vous compreniez ça. Et vous verrez que, une fois qu'un citoyen ne comprend même pas son travail, ne comprend même pas l'impact que la politique, que les décisions politiques ont sur lui, il est perdu. C'est pour ça que la plupart des opposants du Cameroun jusqu'à aujourd'hui ne peuvent que se taire. Ils ne peuvent que se taire. Parce que le processus au Cameroun, c'est aller à l'étranger. Une fois que vous sortez à l'étranger, vous avez traversé un palier. Ça veut dire, une fois que vous sortez du pays, vous avez traversé un palier. Une fois que vous trouvez un capital, vous avez traversé un palier. Une fois que vous revenez au pays avec un capital et que vous êtes sorti du pays, bien entendu, ça va de soi, vous n'êtes plus dans les mêmes conditions que vous étiez il y a quelque temps. Vous êtes monté de palier, vous avez grandi sur le plan social. Et une fois que vous avez grandi, vous avez des avantages qui ne sont plus les mêmes que vous aviez avant. À ce moment, vous devez choisir. Suis-je un Camerounais comme les autres ou bien suis-je un Camerounais particulier? Et à ce moment, beaucoup de Camerounais décident de se lancer dans la politique. Et quand ils se lancent dans la politique, très vite ils comprennent que il y a des moyens pour les détruire très vite. Très vite. Ils sont donc entenaillés. Et pour eux, le meilleur moyen de sortir, c'est quoi? C'est de faire le maximum de boucan possible. Boucan, ici entre guillemets, hein,
de faire le maximum pour se faire voir. Une fois qu'ils sont vus connus, ils deviennent des personnalités connues de l'État et du pays en général. Et à ce niveau, ils peuvent demander leur plus-value, leur partie du gâteau national. C'est de ça qu'il est question. J'ai une question là à laquelle je vais répondre. Qu'est-ce que tu veux par là dire? Ce que je veux dire en plus simple, c'est que la démocratie africaine n'existe pas. Parce que le prétexte de la démocratie africaine, c'est l'existence de l'opposition. S'il n'y a pas d'opposition, on a le parti unique. Et vous savez tous qu'au Cameroun, dans les années 90, le Cameroun a connu un événement majeur qui était la guerre, bon, disons la guerre entre guillemets, mais c'était une guerre parce qu'on a tué des personnes. Il y avait des camps qui étaient opposés. Il y avait des armes qui sont sorties, il y a eu des morts. Donc, c'était donc, en fait, la guerre du multipartisme. Et après avoir subi ça, Paul Biya et son gouvernement se sont donc arrangés avec ses conseillers de l'international pour que plus jamais l'opposition n'ait le dessus sur le gouvernement camerounais et sur le parti au pouvoir qui en réalité représente le parti unique. Donc, ils ont donc maintenant financé, je veux dire, ils ont financé en quelque sorte des partis d'opposition. Ils ont créé des partis d'opposition, ils ont créé des opposants. De vous à moi, quand vous avez des opposants comme un certain Jean Dzenga, vous comprenez que là, il n'y a plus la volonté d'être président. C'est une volonté de distraire le peuple. Quand vous avez des oppositions comme celles que nous avons vues lors de l'élection 2018, vous comprenez clairement qu'il y a des opposants qui sont là pour distraire les Camerounais et de façon négative. Si un opposant réussit à vous dire à 14h, le gagnant, ce n'est pas le président en place, ce n'est pas le parti au pouvoir, c'est un parti d'opposition, et que lui-même fasse partie de l'opposition, ça veut dire qu'il ne reconnaît pas que la victoire est dans son parti, mais que la victoire appartient au second. C'est logique. Si on vous dit que les résultats officiels proclament Paul Biya, par exemple, président, et qu'il est premier, il soit premier, le deuxième, c'est le professeur Maurice Kamto, le troisième, c'est Cabral Libi. Et que Cabral Libi vous dise que c'est l'opposition qui a gagné, ce n'est pas le parti au pouvoir, ça veut clairement dire que c'est le deuxième qui a gagné l'élection. C'est aussi simple que ça. C'est une question de bon sens. Donc, en le disant à 14h, il donne là son point de vue sur le vif, comme on dit. Donc, directement, impulsivement. Plus tard, quand il prend le temps de mûrir les réflexions, quand il prend le temps de collaborer, de discuter avec les autres, il se rend compte qu'il a fait une grossière erreur. Et il revient vite sur sa parole en disant que non, ce n'est pas le deuxième qui a gagné. Ça veut dire quoi? Si le deuxième n'a pas gagné, c'est le quatrième qui a gagné. Puisque cet individu vous dit que ce n'est pas le premier qui a gagné, le premier n'a pas gagné. C'est l'opposition qui a gagné. Puisque Paul Biya n'est pas de l'opposition, ça veut dire que tout le monde de l'opposition a pu gagner, sauf Paul Biya. Alors plus tard, il vient vous dire que ce n'est pas Maurice Kamto qui a gagné. Ça veut dire que ce n'est pas lui non plus, parce qu'il aurait dit que c'est lui. Il dit donc que ce n'est pas Maurice Kamto. Donc ça veut dire ni le premier, ni le deuxième, ni le troisième n'ont gagné. Est-ce que c'est le SDF? Je ne crois pas, puisqu'ils ont dit qu'ils étaient tranquilles avec le nombre de voix qu'ils ont eues. Vous voyez, ce n'est pas le cinquième, ce n'est pas le sixième. C'est pour vous montrer qu'en réalité, ils viennent mettre le peuple camerounais dans une impasse. Et si le peuple n'est pas capable de comprendre ça, il ne peut pas jouer dans la même cour que l'opposition, qui en réalité est un groupe de malhonnêtes et de menteurs. C'est important que vous le compreniez. Donc, une fois que vous avez un regard politique, vous comprenez clairement ce qui se passe. Vous comprenez clairement ce qui se passe. C'est comme vouloir éteindre le feu en allant avec du coton sur soi. Il y a un. Je vais paraphraser hein, l'expression de Thomas Sankara qui disait que pour quelqu'un qui veut libérer un peuple qui n'est pas conscient de son état, c'est comme s'incendier seul au désert. Personne ne vous sauvera. On ne comprendra même pas que vous êtes mort. Bref, votre mort sera inutile. Donc, le devoir de l'opposition camerounaise, de l'opposition africaine en général,
Ce n'est pas de venir crier incendie, non. Ce n'est pas de venir crier incendie. Et c'est pour ça que je dis l'opposition camerounaise a échoué. Le devoir de l'opposition, c'est d'apprendre aux gens que le sapeur-pompier n'est pas forcément celui-là qui a fait la formation, qu'on peut former des gens à jouer le rôle de sapeur-pompier. Là, quand la maison de votre voisin brûle, il n'y a pas besoin d'aller à Étoudji chercher le sapeur-pompier. Vous-même, vous jouez le rôle de sapeur-pompier. Chaque Camerounais devient donc un pompier pour son frère. Chaque Camerounais devient un secours pour son frère. Dans ce moment-là, on devient des co-citoyens. Voilà le travail de l'opposition dans un État dictatorial. Parce que l'opposition va tout le temps dire le pouvoir en place a fait ci, ils sont montés, ils sont descendus, ils ont fait ci, ce sont des pleurnicheries. C'est la vérité, ce qu'ils disent. Mais ils ne disent pas des choses que les gens ne connaissent pas. Ils ne disent pas des choses que le Camerounais n'a pas vécues. Mais il faut qu'ils fassent des choses qu'on n'a pas encore vues au Cameroun. Et l'éducation à la politique n'est pas entretenue au Cameroun. Il n'y a même pas une émission politique au Cameroun. Je vais vous dire simplement pourquoi je vous dis ça. Je dis aucune chaîne au Cameroun n'a une émission à caractère n'a une émission politique dans l'éducation. Vous avez des gens qui se retrouvent sur des plateaux et qui s'insultent littéralement. Pour ceux qui ont vu des débats avec des gens comme Charlemagne, Msanga Nyamdim, vous saurez comment ils parlent. Avec des gens qui ont suivi des débats avec des gens comme Bandakani, Charles Tanganamanda, je m'arrête là pour que vous compreniez un peu à quel niveau on se trouve là dans le sol. On a des sérieux problèmes en termes d'organisation ou bien de préparation de la génération à venir sur le plan politique. Vous ne savez donc pas actuellement pourquoi est-ce que dans la vacance du pouvoir qui est par exemple revendiquée par certains activistes, il y a de la vérité. Pourquoi l'article, il y a un article qui dit clairement dans votre constitution, si chacun l'a lisé, il devrait le savoir, que 45 jours passés, il y a automatiquement, ou bien il y a constatation de la vacance du pouvoir. À combien de jours sommes-nous aujourd'hui? Est-ce qu'on en débat? Il y a des activistes qui disent que le président Paul Biya serait mort. Est-ce qu'on en débat? Pourquoi il serait mort? Qu'est-ce que ça engage s'il est mort? Comment le peuple devait réagir au cas où il est mort? Le professeur Maurice Kamto est bloqué chez lui. Pourquoi est-ce que c'est important pour le peuple camerounais de savoir les enjeux que cela a pour le Cameroun? Il y a des opposants camerounais qui sont arrêtés chaque jour, qui sont en prison. Il faut qu'on en débatte. Pourquoi ils sont arrêtés? Quel est l'impact de ça sur la vie des Camerounais? Il faut qu'on leur explique quel est l'impact de ça sur les générations à venir. Il faut qu'on leur explique à quel point c'est négatif pour le Cameroun de chaque jour réduire les libertés citoyennes comme elle le fait. Parce que si on ne l'explique pas dans la télévision, parce que la télévision, c'est là où il y a beaucoup de journalistes, et le journaliste a un devoir qui est aussi d'éduquer les populations, de renseigner les populations, d'informer les populations. Mais vous ne vous rendez pas compte que ces journalistes, en réalité, sont devenus des observateurs. Ils organisent des débats. Et vous avez des personnes qui viennent dire des choses. Mais eux, ils jouent le rôle de modérateur pour dire qu'ils ne sont en rien responsables de ce qui est dit sur leur plateau. Ils viennent se protéger. Et pourtant, c'est eux, ces journalistes-là, qui doivent dire ce que ces gens-là n'arrivent pas à dire. C'est de ça qu'il est question. Et à ce niveau, si ces journalistes ne le disent pas, c'est parce qu'ils savent que plus tard, il n'y aura personne pour les soutenir. Et c'est à ce moment que l'opposition doit soutenir les journalistes qui veulent faire le bon travail. Parce que l'État ne les soutiendrait pas. Et puisque l'État, c'est un pouvoir politique, il faut un autre pouvoir politique capable de les soutenir. Et s'il n'y a pas ce soutien-là, ces gars sont des gens qu'on expose et qui vont finir par mourir sans que personne ne s'en rende même compte de, sans que personne ne se rende même compte de l'importance de ce qu'ils faisaient comme travail. Voilà un peu ce que je veux dire en quelque sorte. Alors, je lis encore quelques réactions et je reviens. La démocratie est une supercherie, les opposants sont des imposteurs. Non, pas des imposteurs, je crois juste que le peuple camerounais a peur parce qu'il a connu beaucoup de frustration, beaucoup de violence, et ils ont peur.
Et cette peur-là n'est pas que chez les Camerounais lambda, même les opposants ont peur. C'est pour ça que beaucoup d'opposants n'osent pas se lever pour contester contre le gouvernement en place. Il y a Déborah qui dit, ouais, tout à fait, Echenou dit de brûler les ambassades avec les ambassadeurs à l'intérieur. C'est pas de la folie, ça. Je ne sais pas s'il a dit, je ne l'ai pas suivi personnellement, mais s'il a dit, vous savez que. On ne sort pas quelqu'un du feu pour le brûler. Si vous comprenez ce que je veux dire, vous avez compris. On ne peut pas sortir quelqu'un du feu pour le brûler. Chez nous, en langue bafa, on dit, vous ne pouvez pas fuir la pluie pour plonger dans l'eau. Ça n'a pas de sens. Donc, s'il a dit, c'est son poids, c'est sa réflexion, il sait ce qu'il veut. Mais personnellement, ce n'est pas ma politique. Donc, je dirais que pour moi, c'est comme fuir la pluie pour plonger dans de l'eau parce que on se bat contre des criminels, on estime qu'ils sont des criminels parce qu'on a vu les actions criminelles, on a vu des meurtres qu'ils ont commis et c'est le fait qu'ils soient criminels qui fait que nous, on ne s'identifie pas à eux. Je reviens encore à la notion de base, citoyens, non-citoyens. On les considère comme des non-citoyens. On les considère comme des non-citoyens parce qu'ils ne respectent pas les codes de valeur que nous, pensons être les codes camerounais. Ça veut dire le respect déjà de la vie humaine, parce que le Cameroun a signé les accords de respect des droits humains, donc ne pas attaquer la vie humaine, ne pas attaquer la vie humaine, ne pas torturer, ne pas tuer n'importe comment. Alors, nous avons de la valeur pour cela. Nous respectons cela. Alors, eux qui tuent, ils sont considérés pour nous comme des personnes, des parias. Ils ne respectent pas la vie humaine. Alors, pourquoi je vais partir poser les mêmes actions que ces personnes? En brûlant un individu qui a un cœur, qui vit, qui bat comme le cœur de ceux qu'on a tués. Nous, on se bat. Personnellement, moi, je me bats parce que je veux qu'il y ait une justice. Je veux qu'il y ait moins d'impartialité. La justice doit faire son travail. Mais la justice, est-ce la nôtre? Je ne sais pas. Mais je sais que nous avons décidé ensemble de mettre des codes de valeur sur pied. On a décidé de créer des systèmes juridiques. On a décidé de créer des fonctions comme avocat, juge, procureur, parce qu'on voulait que ces gens fassent valoir le droit. Et si nous, en Europe, décidons de tuer quelqu'un, de brûler quelqu'un, je ne sais pas, je dis chacun responsable de ses actions. Voilà, je ne suis pas garant de lui non plus. Donc, tous ces opposants mangent dans le gouvernement, tout ceci n'est que diversion, à l'exception de Kamtounou du Kalanina. Voilà, maintenant, je vais revenir donc sur le point, professeur Maurice Kamto. Le professeur Maurice Kamto est un personnage très important pour le Cameroun. Il est important dans la mesure où on sort d'une génération. Quand je dis qu'on sort d'une génération, il est fondamental que vous compreniez clairement le sens de ce que je veux dire. La génération 60, c'est-à-dire la génération qui a connu Ahi Diop, est en train de partir. La génération qui a connu le premier président du Cameroun, Ahi Diop, est en train de partir. Et puisque celle-ci est en train de partir, il est donc nécessaire que la nouvelle génération commence donc à se poser les questions dont je vous ai auxquelles j'ai fait allusion au début, c'est-à-dire, qui suis-je? Dois-je me comporter en Camerounais ou ne suis-je pas Camerounais? Plus simplement, est-ce que ce qui se passe au Cameroun me concerne ou pas? C'est à cette question que tous ces activistes que vous voyez sur les réseaux sociaux ont répondu. Certains ont répondu en disant qu'ils sont des patriotes et qu'ils devaient défendre le système en place au pays, ce qui est naturellement leur droit. Ce qui est naturellement leur droit. D'autres ont décidé de se battre pour que le changement de génération qui se passe au Cameroun se passe le plus vite possible, en choisissant de mettre à la tête de l'État du futur Cameroun le professeur Maurice Kamto. Ce qui est un choix. Et je profite ici pour lever tout équivoque possible. J'entends parfois dire tel mouvement est extrémiste, tel autre mouvement l'est moins, celui-ci un peu plus. Il faut que vous compreniez. Tout ce que vous appelez des tontinards sont des personnes qui sont favorables à ce que le professeur Maurice Kamto soit le président du Cameroun. Je veux que nous soyons d'accord là-dessus. Tous ceux qui sont favorables
à ce que le professeur Moïse Kanto devienne président sur ce qu'on appelle au Cameroun des tontinards. Ça veut donc dire que, entre un tontinard et quelqu'un qui dit que Kamto ou rien, il n'y a pas une très grande différence. Sauf que celui qui dit que Kamto ou rien utilise dans sa phrase le mot rien, ou rien. Ou rien veut dire jamais. Soit c'est Kamto, soit rien ne marche. Là, je suis d'accord, vous, on peut dire que c'est un peu extrême. Mais en réalité, c'est donc ici la démonstration de ce que nous avons un système de conflit générationnel. Dans ce conflit générationnel, il y a des administrateurs. Salut à toi, Carlissa, bienvenue. Donc, il y a des administrateurs, il y a des policiers, il y a des marchands, il y a des commerçants, il y a des... C'est dans tous les domaines respectifs que vous connaissez dans la société qu'il y a ce changement de valeur. Chez les ingénieurs camerounais, c'est le même problème. Le président Kamto, lui, ce qu'il a apporté au Cameroun, c'est que il a accéléré le processus de transformation sociétale. Il a accéléré le processus de changement générationnel. Et c'est en ça qu'il est intéressant. C'est en ça que le professeur Kamto est intéressant. Je vais continuer de lire quelques points de vue. Je n'ai rien à te proposer, continue à suivre, ok? Continue à suivre ton gourou. Je ne sais pas de qui tu parles quand tu parles de gourou, Jian Fumu. Voilà, je savais que tu fais semblant d'avoir une... Ok, ça c'est un peu compliqué pour moi comme message. Je continue avec des messages. Kali, je t'ai salué. Jan, là tu penses pas à toi-même et tu n'es pas zombie égaré du village. Je sais pas ça. Il y a Patty Glenn qui est là. Salut à toi, Patty Glenn. Bienvenue. Je suis de plus en plus en désaccord avec le professeur Kamto. C'est ton point, c'est ton droit, c'est ton droit. Hein? C'est ton droit le plus légitime de ne pas être en accord avec lui. C'est la preuve encore qu'il n'est pas un gourou. Pour ceux qui disent qu'il est un gourou, parce que dans cette société, quand même, il y a des gens qui ont la liberté de penser. Je crois que tu en fais partie, donc tu es libre de ne pas être en accord avec lui. Moi, je n'en voudrais pas, tout comme je n'en voudrais à personne d'être en accord ou en désaccord avec lui. Je pense que c'est une question d'opinion et d'accord et de compréhension l'un vis-à-vis de l'autre. Même sans être président, le professeur Kamto est très important pour le Cameroun. Tout à fait. Il est très important pour le Cameroun parce qu'il permet, de mon point de vue, de marquer ce changement générationnel entre l'ancienne et la nouvelle génération que nous avons. C'est quoi l'ancienne? Pour moi, c'est ceux-là qui ont connu la première ère, c'est-à-dire l'ère de Ahidjo, et la seconde, c'est celle-ci qui entre dans le nouveau, dans le, comment dire, la nouvelle disposition mondiale avec l'information, avec l'informatique, avec le multimédia. Nous avons aujourd'hui accès à des technologies qui ne sont même pas pensables pour certaines personnes de l'autre génération. Ça fait qu'aujourd'hui, la confrontation générationnelle est inégale. C'est pour ça que nous, sur les réseaux sociaux, on a clairement battu à plate couture les médias camerounais. La plupart des Camerounais qui suivent les directs aujourd'hui, qui suivent les lives, qui sont devenus comme une tradition pour les Camerounais, les suivent en fait parce qu'ils trouvent dans ces directs une liberté de parler, une liberté d'action et de dire qu'il n'y a pas dans les médias camerounais. Seulement en ça, il y a quand même déjà une victoire claire de cette génération. Et la communication est très significative parce que ça démontre clairement que sur le terrain de la communication, la diaspora a gagné. Là-bas, c'est devenu un problème sérieux pour tout le Cameroun. Tous ceux qui s'expriment sur les réseaux sociaux aujourd'hui en défaveur du régime sont portés à faux et sont considérés comme étant des déstabilisateurs de l'État camerounais. Vous voyez clairement qu'il y a un fichage, on fiche comme négatif sur le plan public au Cameroun. Tous ceux-là qui, sur le plan communicationnel, apportent des arguments de taille, des arguments clair, pragmatique, factuel, de ce que le gouvernement camerounais n'est pas un gouvernement réel. Il n'est pas un gouvernement sérieux, si vous voulez que je le dise ainsi. Donc, sur le plan communicationnel, il n'y a pas match. Maintenant, cette ancienne génération a un avantage, c'est qu'elle a entre ses mains ce qu'on appelle les forces de coercition. La police, la gendarmerie et tout ça, ce sont donc des moyens de répression agressive, brutale et non fondée, ni sur le droit, ni par le droit, ni par le code constitutionnel, ni par la justice camerounaise ou par le code juridique du Cameroun. Ce n'est sous-tendu par rien. Donc, partant de là, vous avez donc un qui utilise abusivement la force
et l'autre qui essaie d'utiliser la justice et les moyens intellectuels pour se défendre. Donc, si le critiqué est passible de la peine de mort, alors crucifiez-moi. Non, 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 non. Bon, allez le libérer, petit. Jian Fumu, je vois que tu es un faux profil. Je vois que tu es un faux profil. Et ça devrait te faire honte de demander qu'on aille libérer un homme qui a demandé librement qu'on libère le pays en faisant une marche sans armes et qui soit aujourd'hui encerclé dans sa propre maison par des hommes armés de ton État, le Cameroun, un pays qui devrait en réalité défendre les valeurs humaines, qui dit que sa police, son armée est républicaine et est professionnelle, qui aujourd'hui finance, paye les salaires à des hommes juste parce qu'ils partent, juste parce que on attend qu'il parte priver un autre homme de ses libertés, qui n'a rien fait, ni sur le plan légal, ni sur le plan moral. Je crois que c'est une honte pour toi de venir demander qu'on aille le libérer parce que tu n'as aucun moyen aujourd'hui de dire ce qu'il a fait illégal. Tu n'as aucun moyen aujourd'hui de dire que ce qu'il demande n'est pas vrai. Je crois plutôt que tu t'inscris dans un contexte d'humiliation de toi-même parce que là, tu t'affiches plutôt en mal et tu es en train de démontrer que tu ne défends pas une idéologie, tu ne défends pas une façon de penser. Tu défends juste un État. Et un État, c'est l'humeur. Et l'humeur n'est pas justifiable. Donc, ça veut dire que tu devrais plus travailler, activer tes neurones. Tu vas voir que ceux qui défendent le professeur Kamto ont quand même des arguments. Ceux qui défendent le gouvernement du Cameroun n'ont pas d'arguments. Parce que si c'était le cas, on n'aurait pas une photo aujourd'hui à la place du président Paul Biya. Donc, le simple fait d'avoir une photo montre une incapacité, non seulement de celui que tu sens, semble vouloir défendre. Ça montre qu'il n'a pas la capacité à dialoguer, il n'a pas la capacité à débattre, il n'a pas la capacité à argumenter, rien, parce qu'il n'a pas d'argument. Quand on n'a pas d'argument, on se cache, comme l'enfant qui vole un morceau, il vient dans la marmite, qui prend peur et qui se cache sous le lit. C'est comme ça que le président Paul Biya se comporte, si jamais il était en vie. Personnellement, je crois qu'il est mort, je sais qu'il est mort. Le fait que c'est la photo aujourd'hui qui dirige le Cameroun démontre clairement qu'on a un groupe qui décide de profiter sur le dos des Camerounais et de laisser le Cameroun souffrir et mourir de lui-même. C'est de ça qu'il est question. Donc soutenir ça sur ma plateforme, c'est une insulte vis-à-vis de ceux qui me suivent et de notre intelligence. Or, on sait tous que depuis l'histoire, depuis l'avènement de la politique même sur Terre, la photo n'a jamais fait office de personne, puisqu'on dit une image vaut 1 000 mots. On ne dit pas qu'une image vaut 1 000 hommes. Donc partant de là, je crois qu'il faudrait que tu te ravises, sinon je vais être obligé de te bloquer de ma page. Parce que ce que tu dis est insultant de venir sur les réseaux sociaux, sur une page où je n'attaque personne directement, parler, te moquer du fait qu'un homme qui soit battu pour la liberté, d'autres hommes soient emprisonnés, je crois que c'est vraiment insultant un peu. Voilà. Donc, s'il te plaît, tu peux rester, mais évite d'insulter les gens. Voilà. Bonjour Stevie, je pense que je nous disais par rapport au Vigourou, Chantou, cette femme n'est plus en vie. Je ne parle pas de Chantal Bia aujourd'hui. Bienvenue à toi, Boca Junior, ça fait plaisir de te revoir de toute façon. Je ne parle pas de Chantal Bia aujourd'hui. Je parlerai d'elle peut-être une autre fois, mais pour moi, honnêtement, c'est sa vie privée, ça ne m'intéresse pas. Elle n'est pas la présidente, elle n'est pas la secrétaire générale, elle n'est pas la chargée des affaires, elle n'appartient pas vraiment à une décision politique que nous ayons prise au Cameroun. Pour moi, ça ne m'intéresse pas. Je parle d'opposition aujourd'hui. Ceux qui disaient qu'ils sont en désaccord, ils ont fait quoi pour changer les choses? Kamto fait ce qu'il peut et les gens pensent que Kamto a la solution à tout. Il a déjà trop fait jusqu'à mettre même sa vie en danger. Faites aussi une... Ton message est suffisamment long, hein? En fait aussi les actions, on voit. Je crois que vous devez comprendre que le professeur Kamto ici, le professeur Kamto, donnez-moi une seconde, pardon. Voilà. Vous devez comprendre que le professeur Maurice Kamto a donné 9 mois de son temps en prison. En plus de cela, il a encore donné pratiquement 2 mois, 3 mois déjà de son temps dans sa maison bloquée. Ce n'est pas parce qu'il attend forcément qu'on lui apporte quoi que ce soit, non. Ce n'est pas parce que le Camerounais a vu le professeur Kamto faire cela que vous pensez qu'il le fait parce qu'il attend forcément quelque chose. Il est politicien. Il peut le faire à des buts. À des fins politiques ou politiciennes, c'est son problème. Le plus important, ce n'est pas ce que lui il fait, c'est ce que vous faites. Le plus important dans
L'évolution politique d'un pays, ce n'est pas ce que les politiciens font. C'est ce que vous, vous faites. Tout à l'heure, je vous ai dit que les politiciens, eux, à leur niveau, en tant que politiciens de l'opposition, ils ont le devoir d'éduquer la population à la politique. Ils ont le devoir d'éduquer ceux-là qui ne vont pas dans des facultés de droit, de politologie. Ils doivent leur apprendre ce que c'est que la politique simple, la réelle politique, la politique de facto. Vous, les Camerounais, le peuple camerounais, vous avez le devoir de vous éduquer, vous avez le devoir de vous renseigner, vous avez le devoir de vous informer, parce que nul n'est censé ignorer la loi. C'est valable pour le droit, c'est valable pour la politique, c'est valable pour les sciences, c'est valable pour tout. Vous n'êtes pas censé ignorer, parce qu'il y a toujours les moyens d'apprentissage. Donc apprenez, informez-vous, renseignez-vous. Qu'est-ce que vous faites pour votre pays? L'opposition, c'est aussi vous. Parce que c'est vous qui la rendez forte. C'est de ça qu'il est question. Stevie, pourquoi le professeur ne fait pas un direct et essaie de sortir pour qu'on voit si on va l'arrêter? Je dis, je répète, Chantal bien est morte en 2018. Tu as compris, on t'attend à ce que le gouvernement prenne une photo. C'est la photo qui reçoit les différents ambassadeurs venus au Cameroun. Même là, tu vois qu'il n'y a pas d'argument. Quand tu dis que c'est l'ambassadeur qui décide de recevoir que c'est la photo qui décide de recevoir les ambassadeurs venus au Cameroun. Moi, je pourrais te dire que ces ambassadeurs, ce sont des personnes aussi qui ne jouent pas dans la même cour que nous. Puisque ces ambassadeurs voyagent pour venir rencontrer un personnage dans un contexte où tout le monde est en train de mourir et qui ne sortent pas. À moins que tu me dises que dans la constitution camerounaise, le président Paul Biya a signé ou bien a prêté serment pour rendre visite aux ambassadeurs. Tu me dis là comme ça, je vais commencer à lire la constitution du Cameroun à l'envers. Peut-être que je trouverai ça dans un entreligne quelque part, parce que le premier patron du président de la République, c'est le peuple. Ce n'est pas les ambassadeurs. Ce n'est pas l'ambassadeur français. Ce n'est pas l'ambassadeur du Congo. Ce n'est pas l'ambassadeur chinois. Ce n'est pas l'ambassadeur de quelque pays que ce soit. C'est d'abord le peuple. Donc si le peuple est en difficulté, le président se doit absolument d'être physiquement présent, moralement présent, spirituellement présent, totalement présent. Alors, on a connu une grande crise qu'on appelle le Covid. Il était où? Il n'était nulle part. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de raison de tergiverser là-dessus. J'attends une preuve concrète, solide, réfléchie de la négation de ce qu'il n'est plus. Sinon, là, c'est totalement de la diversion que vous faites. Bon, c'est n'importe quoi, si vous comprenez. Voilà. Pour les gens qui sont en train de m'insulter, je suis libre de supporter. Bien sûr. Bon. Ok. Donc, je vais continuer. Alors, j'étais en train de vous parler en quelque sorte du rôle de l'opposition. Et il était question pour nous de définir l'opposition. Et je vous ai dit au début de l'émission que définir quelque chose, c'est parfois réduire cette chose. C'est parfois circonscrire cette chose-là. Bref, c'est dire ce que cette chose n'est pas. Et quand on dit ce que vous n'êtes pas, on a créé une limite entre vous et ce que vous n'êtes pas, entre ce que vous êtes et ce que vous n'êtes pas. On a parlé des journalistes. On a dit ce que les journalistes sont et ce qu'ils ne sont pas. On a donné les limites du journalisme au Cameroun. On a donc dit en outre ce que le journaliste peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. On a dit plus loin ce que le journaliste devrait faire, c'est-à-dire sur le plan de la déontologie du travail, sur le plan de la responsabilité journalistique, ce qu'il devrait faire. On n'a pas eu de l'opposition, vous savez, dans ce qu'on a dit là-dessus. On va sortir de cette émission en parlant de la population camerounaise et particulièrement des activistes. Les activistes, dans ce contexte, quand je parle d'activistes, je ne parle pas seulement de ceux que vous entendez crier sur les réseaux sociaux. Je ne parle pas des gens comme moi, non. Je ne parle pas de ceux-là qui s'intéressent de près ou de loin au Cameroun, non. Je parle de ceux-là qui aujourd'hui ont décidé de fuir leur mission. Je parle de ceux-là qui sont des activistes de la fuite. Je parle de ceux-là qui ont pris les partis d'opposition pour des cachettes. Je parle de ceux-là qui ont pris des partis politiques pour des cachettes. Les Camerounais qui vivent dans la diaspora, qui font du mal à longueur de journée,
Les Camerounais qui vivent en diaspora, qui ne se nourrissent que d'escroquerie et de banditisme. Les Camerounais qui vivent en diaspora, qui ne respirent que la malhonnêteté et l'improbe et l'opprobre. Je parle de ces Camerounais qui, dans la diaspora, non, ils ne jurent que par le fait, comme vous dites. Ces individus, si ces individus qui aujourd'hui sont massivement cachés dans le parti du professeur Maurice Kamto n'osent pas prendre la parole, n'osent pas défendre le président national, mais sont en Europe en train de se battre pour des mégots d'argent, sont en Europe en train de se battre pour le leadership du parti, alors que le leader vrai du parti est au Cameroun. Il faudrait que le peuple camerounais en soit témoin. Il faudrait que vous soyez témoin que, depuis que le professeur Maurice Kamto est fermé chez lui, ces individus. Salut à toi, Paul Béranger. Je ne sais pas si c'est à moi que tu demandes d'être cohérent avec moi-même. À quel niveau? Et en quoi ferais-je preuve de mauvaise foi? Il devrait refuser d'y aller. Il devrait informer le peuple pour le président et pour son calcul politique, calculer son combat du tout. Donc, ce que je veux que vous compreniez, c'est que peu importe la force du professeur Maurice Kamto, peu importe la justice du professeur Maurice Kamto, peu importe la détermination du professeur Maurice Kamto, il ne peut pas mener ce combat avec dans son rang, dans ses rangs, des personnes qui sont des personnes malhonnêtes. Il ne peut pas mener ce combat avec dans ses rangs des personnes qui n'apportent pas du crédit, une valeur morale, une plus-value à l'éthique qu'il veut défendre pour le Cameroun. Il ne peut pas gagner contre le gouvernement d'Étoudi, ou bien de ce qu'il reste du gouvernement d'Étoudi, si dans ses rangs, il a des personnes qui sont prêtes à tout moment à lui foutre un coup de couteau dans le dos. Je vais vous donner des éléments simples. Le premier élément que je vais vous donner, c'est quand on regarde comment dire, le paradigme aujourd'hui, qui est celui du MRC. Vous comprendrez que pour un parti politique comme le MRC, les minimums de personnes susceptibles de bouger, d'être mobilisées, c'est au moins 2 à 400 personnes. Je dis minimum, je parle là d'un minimum raisonnable, d'un minimum qui fasse l'unanimité. Beaucoup vont me dire non, ils peuvent faire sortir au moins 1000 personnes. D'autres vont me dire non, ils peuvent faire sortir au moins 4000 personnes. Mais je dis, je prends le minimum raisonnable pour moi. Je m'arrête à 400 personnes. Le représentant du MRC, les représentants du MRC au Cameroun, en Europe, aux États-Unis, en Asie, partout, n'ont pas été ensemble, eux tous mis en commun, ne sont pas capables de déplacer ce minimum raisonnable. Ne serait-ce que pour revendiquer la sortie du professeur Kamto au Cameroun. Moi, je sais qu'ils en sont capables. Parce que chaque mois, ils font des Western Union à leur famille. Parce que chaque mois, ils envoient de l'argent pour les entreprises au Cameroun. Parce que chaque mois, ils envoient de l'argent parfois à leur petite, comme vous dites, au Cameroun, là-bas, au pays. Ça veut donc dire que ce n'est pas le moyen de financement ou bien de création d'émoi ou bien d'adhésion qui leur manque. Non. Puisque dans leur projet, il y a des personnes qui travaillent. Puisque dans leur business qu'ils ont au Cameroun, il y a des adhérents. Dans le projet qu'ils mènent, il y a des amis, des sympathisants. Alors, pourquoi ces personnes ne s'engage pas à aller soutenir le professeur Kamto. Si vous voyez d'une part
Vous avez les activistes camerounais de la diaspora qui, comme moi, sont fichés au Cameroun forcément. Ils ne pourront donc pas entrer parce qu'on va dire qu'on va les tuer parce qu'ils ont défendu une certaine idéologie. Ceux donc qui sont du MRC, qui ne font pas les marches, qui ne font pas les actions coups de poing ou les attaques et tout, qui ne sont donc pas fichés, pourquoi ne vont-ils pas au Cameroun pour défendre pour ce Kamto? Pourquoi? Pourquoi ne vont-ils pas au Cameroun pour défendre Kamto? Je ne fais pas un débat ici pour parler de la mort de Paul Biya. J'ai fait des vidéos et j'ai donné mon point de vue. Je redis encore. Je redis encore. Écoutez, vous avez fait quoi pour votre pays? Vous avez fait quoi pour votre pays? En bien, moi, j'aime les bébés malades. Dès leurs parents, vous faites quoi? Allez au pays faire le combat. Ah, ok. Merci pour ton message. Continue d'aider les bébés malades. Continue d'aider les bébés malades, c'est pas mauvais. Ça fait une contribution pour le Cameroun. Tu me suis ce soir sur ma page, il est 21h12, donc 20h12 au Cameroun. Tu aurais pu t'acheter une boîte, une bière. Tu as décidé de me suivre. Ça veut dire forcément que tu as trouvé du vrai dans ce que je dis. Donc je te dis encore merci de me suivre. Et forcément, je t'ai aidé ce soir à ne pas aller te saouler, à ne pas perdre ton argent pour rien. Au moins ça, j'ai fait de bien. Donc voilà, reste bien calé dans ton fauteuil, je suis là. Bonsoir à toi, Solange. Très vrai, Sylvie. Plein de sons dans ce parti, se moquent même des activistes. Oui. Kamto est là d'où il doit être. Oui, super pour toi, parce qu'il est un mauvais politicien, je ne sais pas. Donc, vous comprenez que on a les Camerounais qui ont un sérieux problème, c'est un problème d'égoïsme et de définition de soi. Parce qu'on ne peut pas faire la politique sans savoir qui on est. C'est pour ça que les politiciens occidentaux sont toujours solidaires. Solidaires parce qu'ils savent la cause pour laquelle ils se battent, parce qu'ils savent qui ils sont et ce que les autres ne sont pas. Et on partage avec ceux qui sont comme nous. Mais le Camerounais n'arrive pas à se définir lui-même, raison pour laquelle il ne peut pas partager avec d'autres Camerounais, parce qu'il ne sait pas ce que eux ils sont et ce que lui il est. C'est la même chose dans le parti politique MRC. Vous avez des individus qui ont eu le pouvoir, sont devenus des représentants du parti, mais ne savent pas se définir eux-mêmes. Ils courent après l'argent. Ils attaquent leurs propres frères du parti. Ce n'est qu'une question de temps. Vous allez voir bientôt le MRC. Je vous l'ai dit, ça fait un certain temps. Je vous le redis encore, le MRC aura des problèmes dans la diaspora. Pas parce que le professeur comme toi a échoué, non, parce que eux ils ne sont pas capables de voir au-delà de leur petit nombril. Parce que dans leur tête, eux tous, il y a un petit Paul Biya qui règne. Et ils n'ont pas encore dépolbiaisé leur mentalité, permettez-moi l'expression. Ce n'est qu'après ça qu'ils pourront donc demander un certain changement au Cameroun. C'est de ça qu'il est question. C'est ça le nœud du problème de l'opposition. C'est que l'opposition ne se définit pas comme citoyenne. L'opposition ne se définit pas comme citoyenne. Elle est une opposition pour avoir le pouvoir, point final. L'opposition se comporte comme la justice camerounaise, comme le législatif camerounais, comme l'exécutif camerounais. Parce que les textes qu'ils font, qu'ils produisent, qu'ils édictent pour la première, sont des textes qui sont écrits pour les autres, pas pour eux. Les lois qu'ils votent pour les secondes, pour la seconde, sont des lois votées pas pour eux en tant que Camerounais, mais pour les autres. Parce que les arrêtés, les décisions, les décrets signés sont des décrets, des arrêtés, des décisions prises, pas pour eux aussi, mais pour les autres. C'est pour ça qu'au Cameroun, on a des super personnes. On a des super personnes. Je vous avais expliqué dans un direct ce qu'on appelle le Big Man Show politique. Pour ceux qui ont fait la politique, vous saurez ça si vous lisez par exemple les ouvrages de Nietzsche. Il y a un certain ouvrage de Nietzsche que je vous proposerai forcément. Pas celui de Ainsi parlait Zarathoustra, mais dans la critique de
la critique de la pensée pythagorienne. Il parle de ça assez, assez froidement. Quand il met la justice et il parle des personnes, comment dire, il parle des personnes qui sont des super personnages. Dans les gouvernements comme ceux que nous avons en Afrique, vous avez des individus comme Biya qui sont ce qu'on appelle en politique américaine the big man. The big man, c'est celui à qui on doit tout. Quand tu vas dans la secte, là, il y a celui qui est à côté de toi, celui qui t'a amené, celui qui t'a cocté. Pour toi, il est le big man. C'est à lui que tu dois tout. Il a droit de vie et de mort sur toi parfois. C'est comme ça qu'il se comporte. Donc tous ces gens considèrent Paul Biya comme étant un dieu. Ah, merci pour l'information. On a la même au Cameroun, je ne savais pas. Je n'avais pas pensé à ça. On dit que Biya est mort politiquement, il ne parlera plus jamais. Stevie, qu'est-ce que tu proposes pour la suite? C'est une bonne question. C'est d'ailleurs ma conclusion. C'est d'ailleurs ma conclusion. Laisse-moi y arriver. Donc, il faut que vous compreniez, chers amis, chères sœurs, chers frères, que l'opposition camerounaise n'existe pas. La preuve est visible, c'est que le professeur Moïse Kamto est bloqué chez lui. C'est que après la débâcle électorale que nous avons connue, une élection qui ne devrait même pas avoir lieu dans un pays qui n'existe pas, le Cameroun jusqu'à aujourd'hui n'existe pas. Depuis que le Nozo a décidé de faire la sécession, le Cameroun n'existe pas. C'est dans les textes camerounais, vous pouvez les consulter. Ceci étant dit, vous comprendrez donc aisément que l'opposition camerounaise se bat partout, sauf là où il faut qu'ils se battent. Et quand ils se rendent compte qu'un opposant a mis le doigt là où il fallait, là où il faut mettre, ils l'abandonnent pour les sceller, pour qu'il y soit seul et qu'il soit purement et simplement écrasé. Pour l'opposition camerounaise, à l'heure où je vous parle, il y a une solution, Patrick Lane. Il y a une solution. Tu demandais ce que je propose. Il y a une solution. Et la solution est tellement simple. La solution est d'autant plus simple que l'opposition aujourd'hui, en 10 ans, par la voix du professeur Maurice Kamto, parce que c'est lui qui doit le dire, ce n'est pas Atangana Manda, ce n'est pas un opposant. Ce n'est pas Jarfam Dongo. Jarfam Dongo, ce n'est pas un opposant. Ce n'est pas René Emmanuel Sadi. René Emmanuel Sadi, ce n'est pas un opposant. Ce n'est non plus Osi Joshua, parce que Osi Joshua n'est pas un opposant. Ce n'est non plus Cabral Libii, parce que Cabral Libii n'est pas un opposant. C'est le professeur Maurice Kamto. J'ai dit, c'est le professeur Maurice Kamto qui doit le dire. Et il a dit, il faut qu'il redise et qu'il en fasse un combat, qu'il en fasse le leitmotiv de son combat. Il est parti en prison pour une raison. Pour le non au hold-up électoral. Il est sorti de prison. Il s'est battu. Pourquoi? Il est embastillé chez lui parce qu'il a organisé un mouvement de protestation. Pourquoi? En vous posant ces questions, vous allez voir l'évolution des prises de décision du professeur Maurice Kamto. Vous allez voir que tout cela concorde à un point Biya doit partir. Et c'est où on n'est pas d'accord l'un avec l'autre. Parce qu'aujourd'hui, il y a plus d'arguments en faveur de la mort de Paul Biya. Je ne parle pas de mort politique. La mort politique de Paul Biya, c'était avant 2017. Je parle de la mort physique, de la mort clinique, si vous le voulez comme ça. Il y a plus d'éléments, plus d'arguments en faveur de sa mort qu'en faveur du fait qu'il soit en vie. Et je mets encore ici à défi n'importe qui est là sur ma chaîne.
de me prendre son téléphone et de m'appeler par WhatsApp, le numéro de téléphone, vous le connaissez, et de me dire, me démontrer à moi, le tout petit Stevie, que Paul Biya est en vie. Je dis ceci. Parmi vous qui êtes là, personne ne peut me démontrer que Paul Biya est en vie. C'est un défi que je lance. Parce que même sur le plan de la, même sur le plan psychologique, il est difficile de démontrer ce qui n'est pas, que de démontrer ce qui est. Il est plus difficile de démontrer quelque chose que vous avez fait que de démontrer quelque chose que vous n'avez pas fait. C'est très difficile. Mais moi, je vous dis que même dans la position là, démontrer que Bia est mort est plus facile aujourd'hui de démontrer que de démontrer qu'il est pas, qu'il est en vie. C'est aussi simple que ça. Le simple fait que tout un État dise que la photo présidentielle est déjà un argument de taille. Parce qu'on parle quand même d'une population de 25 millions de personnes. Il y a d'autres arguments. Donc, pour ceux qui sont là à tergiverser, à faire des messages pour dire que Bia est en vie, il faut que vous ayez une argumentation construite et que vous puissiez donc édifier les gens. Peut-être vous changerez mon point de vue en me disant, en me démontrant que Bia est en vie, mais jusqu'à là où je ne veux pas, il n'y a rien qui démontre qu'il soit en vie. Parce que le président est le garant de l'État. Il représente l'État. À l'Organisation des Nations Unies, il aurait dû représenter l'État, il n'a pas représenté. À la discussion au sommet de l'Union africaine qui est passée, il devait représenter l'État, il n'a pas représenté l'État. À Kumba, où les enfants ont été assassinés lâchement, il devait représenter l'État, il n'a pas représenté l'État. S'il n'était pas parti à des autres endroits, on aurait dit que c'est sa manière à lui de vivre, mais ce n'est pas sa manière à lui de vivre. Je ne vais pas revenir sur les détails qui n'ont pas de sens. Mais dis même sur le plan technique, je peux démontrer que Paul Biya est mort. Et je ne suis même pas parmi ceux-là qui ont le plus d'informations. Je ne crois pas être le mieux informé. Ce n'est qu'à partir des petits éléments que moi, de ma petite chambre, j'ai constaté qu'il n'était plus. Alors, il y en a d'autres qui le connaissent même mieux et qui savent qu'il est décédé. Donc, ce n'est pas un point important pour nous. Je dis que l'opposition camerounaise gagnerait plus à démontrer que ce monsieur n'existe pas. L'opposition camerounaise gagnerait même seulement en disant, ou bien en thématisant, en verbalisant l'absence de Paul Biya. L'opposition camerounaise gagnerait à thématiser l'inexistence de Biya. C'est le moyen le plus sûr pour une opposition qui veut devenir présidente de gagner sa lutte. Vous ne pensez pas que comme toi, tout donner. On ne donne jamais tout. C'est quoi tout? C'est quoi rien? Rien, c'est tout. Tout, c'est rien. Dans un espace où tout se conçoit, tout, c'est bon. Je vais commencer à philosopher. Mais en fait, on ne peut pas quantifier tout. Quand tu dis qu'il a tout donné, je ne sais pas si tu dis qu'en faisant 9 mois de prison, le professeur comme toi a donné ce que personne, aucun autre Camerounais a donné. Je dirais oui, il a donné dans ce sens-là. Mais il faut se tenir compte du fait que le professeur Kamto est quelqu'un de connu, de puissant. Et au Cameroun, il y a des enfants, des pauvres enfants, qui vont en prison parce qu'ils ont revendiqué justice peut-être auprès d'un commissaire. Et le commissaire les a mis en prison à Koundingui. Depuis 20 ans peut-être, ils sont même moins en prison. On ne les connaît pas. Le professeur Kamto, on le connaît. Donc je ne peux pas dire qu'il a tout donné. Il y a des gens qui ont essayé de combattre le professeur Moïse Kamto mène avant, qui n'ont pas réussi, qui sont morts, qui ont été assassinés. Donc chacun donne ce qu'il peut donner. Mais je ne crois pas qu'on donne tout. On ne donne pas tout parce qu'il nous reste toujours quelque chose. Maintenant, on donne aussi à ceux qui reçoivent. Est-ce que le peuple camerounais a reçu ce que le professeur Kamto a donné? Si le peuple camerounais a reçu, je veux bien me poser la question de savoir pourquoi il est chez lui fermé. Si le professeur Kamto a tout donné, pourquoi est-ce que les représentants du parti MSC aujourd'hui sont en train de se comporter de cette façon? Pourquoi les représentants du MSC sont en train d'abandonner le professeur Moïse Kamto au moment le plus important? Pourquoi les représentants du MRC, choisis par le professeur Kamto, à qui le professeur Kamto a donné ce qu'il a donné, ce que tu dis, tout donné, sont en train d'ignorer le fait qu'il croupisse dans sa maison? Voilà une question à laquelle tu pourrais répondre.
Pour moi, comme je disais, la solution serait d'utiliser le seul instrument qui bat le gouvernement camerounais à plate couture, c'est la communication. C'est la communication. Puisque sur le terrain de la force, l'opposition ne peut pas faire la force avec le gouvernement. Ils ont le monopole de la force, ils ont monopolisé la force, ils ont légitimisé. Il y a une légitimation de la violence, il y a une légitimation de l'injustice face à laquelle nous tous, on est aujourd'hui bouche bée. On voit les violences évoluer au Cameroun. Le Cameroun qui était appelé avant pays de paix et tout, tout. Aujourd'hui, on a des bombes qui explosent au Cameroun. Est-ce que vous vous rendez compte de l'évolution, de la gradualité, de la décrépitude du Cameroun? Le Cameroun se meurt. Le Cameroun se meurt. Il y a Joe Biden. Vous voulez qu'il devienne président? Oui, c'est bien beau pour vous. Mais vous savez quand même que c'est un amoureux de la guerre. Et c'est difficile pour un président américain de ne pas faire la guerre. Donald Trump n'a pas fait la guerre. Donc, forcément, il faut qu'il anticipe déjà. Avec une guerre vite faite, il y a le corona qui vient. Les gens ont besoin d'argent. Il faut vendre des armes. Il faut créer le conflit. Qu'est-ce qui se passe? Le Cameroun va devenir un centre de guerre comme on connaît au Kivu. Alors, la question, c'est quoi? À quel niveau vous aimez le Cameroun? Les politiciens de l'opposition, les amoureux du parti politique MRC. Je parle ici aux Camerounais qui sont dans l'Europe, qui représentent le MRC. Je dis ici honteux aux communicateurs du MRC de l'Europe parce qu'il a un nom, il existe, je ne le cite pas. Mais je dis depuis 2018, j'attends que ce monsieur prenne ses responsabilités en tant que communicateur. Je ne le vois pas et je dis c'est une honte. Voilà, je l'ai dit. Le parti politique MRC ne peut vivre qu'en utilisant les armes que le gouvernement ne peut pas contrecarrer. Et jusqu'aujourd'hui, si ce parti est fort, c'est parce que la communication est assurée par un groupe de personnes qui sont forts en communication, qui ont le temps, qui sont disponibles, parce que la disponibilité est incontournable. Ils ont le moyen financier, ils ne demandent pas l'argent du MRC. Moi, du tout, mais de toute façon, je n'ai pas reçu l'argent du MRC, donc je communique à mes frais. Les autres communicateurs sont dans leur droit de dire aussi que ils n'ont pas reçu l'argent de qui que ce soit, mais ils font le travail parce qu'ils ont de bonne foi et parce qu'ils savent que le professeur Maurice Kamto est la personne qu'il faut. Mais ceux donc qui reçoivent l'argent, ils sont absents. Vous les entendrez demain. Je vous dis demain ou après-demain, vous les entendrez. J'anticipe juste pour que vous sachiez, pour vous informer. Demain, vous les entendrez parler des grosses sommes. On vous parle de 300 000 euros détournés. On vous parle de l'argent reçu des ministres du Cameroun, du gouvernement de Paul Biya, du moins ce qu'il en reste, partagé avec des activistes, encore avec des membres du parti choisi par le professeur Maurice Kamto. Ces gens ne font pas le travail. Je ne veux pas faire le travail, mais je les appelle ici à la conscience professionnelle. C'est la même chose que nous faisons vis-à-vis du gouvernement. Et je dis que ce qu'ils font, c'est un acte de lâcheté, parce que là, le professeur Maurice Kamto a besoin d'un MSC réuni. Le MSC a besoin, le professeur Maurice Kamto a besoin d'un MSC fort. Le professeur Maurice Kamto a besoin des représentants dignes, fiers, solides, de confiance. En ce moment-ci, pas après. Il est inadmissible que des personnes qui sont dans l'insolvabilité aujourd'hui prennent des responsabilités fiscales, financières dans une organisation. Déjà, même qu'on ne l'ait pas remarqué, démontre qu'on n'a pas fait une enquête de moralité. Ce qui, sur le plan politique, est un sacrilège grave. C'est un problème sérieux. Quand on attaque la bête, il ne faut pas avoir de démons en soi. Parce que quand on plonge les yeux dans les ténèbres aussi regardent en nous. Et si les ténèbres trouvent une lumière, une once de ténèbres en nous, elle va utiliser cette once de ténèbres-là pour nous consumer de l'intérieur. Je dis que quand on regarde dans les ténèbres aussi regardent en nous. Et si les ténèbres trouvent une once de ténèbres, de noirceur, d'obscurité en nous, elle va se baser, elle va s'appuyer sur ça, elle va faire agrandir, elle va faire, comment dire, vagir au sein de nous des instances aussi obscures que les ténèbres là-même, de sorte qu'on ne se reconnaîtra même plus tard. Et c'est ce qui se passe avec notre pays. C'est ce qui se passe avec le MRC. Et je dis l'objectivité que j'ai m'oblige de vous dire la vérité.
Le professeur Moïse Kamto aurait pu être libéré en un claquement de doigts si tous ces responsables de la diaspora se mettaient ensemble et mobilisaient le peuple au Cameroun, parce que les gens qui sont au Cameroun sont des personnes qui reçoivent l'argent de leur part. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Et le meilleur moyen pour le parti politique MRC de briguer le pouvoir, de prendre le pouvoir, c'est de s'asseoir sur l'argument selon lequel Paul Biya n'est pas là, parce que c'est le seul argument qui est visible. C'est le seul argument qui permet de contourner toutes les procédures à long terme. C'est une question ouverte à laquelle on ne peut répondre que par oui ou par non. C'est une question ouverte à laquelle on ne puisse répondre que par oui ou par non. Je vous dis encore, oui, c'est normal, Trump n'a pas fait de guerre. Et je vous dis qu'allez voir, je crois qu'il est le deuxième ou le troisième président américain à n'avoir pas fait de guerre. Dans l'histoire de l'Amérique. Dans l'histoire des États-Unis. Donc c'est pour vous dire, le Cameroun est en train d'aller dans des jours que nous ne comprenons plus. La communauté internationale, ce que vous appelez la communauté internationale, est carrément contre le professeur Moïse Kamto. Chaque avocat qu'on prend pour défendre le professeur Moïse Kamto, au début, a le vent en poupe. Il va comme une voiture de 1000 à 1000 à l'heure. Il va comme une voiture allemande. Vous le voyez là, il est comme une Benz. Tout le temps parler d'eux, on dit non, ouais, les grands avocats qui vont nous sortir des situations, mais plus tard, pam, on a l'impression que c'est un film dont le scénario est déjà écrit plus tôt. Est-ce que le but c'est d'essouffler la population camerounaise? Qu'elle marche, elle marche, elle marche? Non. Aujourd'hui, il y a un fait qui est clair. C'est que Paul Biya n'est pas là. Ce n'est pas à discuter. Paul Biya n'est pas là. Et je dis que celui qui va m'appeler au téléphone encore pour parler de Paul Biya, qui me montre la vidéo de Paul Biya où Paul Biya dit effectivement qu'il reprend le droit de signature qu'il a donné à Ngongo. Parce que Paul Biya avait donné le droit de signature permanente à Ngongo. Il faut que je voie la vidéo où Paul Biya a annulé ce droit de signature permanente parce que c'est dans un cadre ouvert. Je vais voir comment ils vont recréer l'espace là sur le plan vidéo. Je vais voir. Moi aussi j'observerai cette vidéo. Parce que ça n'a pas été fait. Alors comment Paul Biya peut être en vie? Il n'a pas récupéré le droit de signature. Mais Ngongo signe encore aujourd'hui avec le nom de Paul Biya. Puisque Paul Biya lui avait dit, lui avait fait ce qu'on appelle l'octroi des signatures permanentes des dossiers importants de l'État. Donc, normalement, il devait voir Ngongo parce qu'il a vu la dérogation des signatures. Mais aujourd'hui, il signe encore au nom de Paul Biya. Et de surcroît avec des fausses signatures de Paul Biya. Où est le sens dans tout ça? Je crois que si moi, je suis informé depuis l'Allemagne de ça, le professeur Kamto a beaucoup de contacts, il le sait. Donc, de toute façon, Sylvie, ne vous plaignez pas de Kamto, laissez Kamto où il est, continue votre lutte, ça pas de lutte là-bas pour l'instant. Non, qu'est-ce que tu en sais? Il n'y a pas une lutte que le professeur Kamto a. Non, le professeur Kamto n'a pas de lutte, je n'ai pas de lutte. Nous avons une lutte. On se bat pour le même objectif. On se bat pour le même objectif. Je dis, pour moi, le Cameroun se libère de la même façon. Le Cameroun se libère avec la conjugaison des forces. Le Cameroun se libère avec la mise ensemble de toutes nos forces. Le Cameroun se libère avec la mise en commun de toutes les forces. Et si je me rends compte qu'il y a des forces qui sont divergentes, c'est mon devoir de dire qu'il y a un problème. C'est mon devoir de dire qu'il y a intérêt à regarder cela, à rectifier ça vite fait. C'est de ça qu'il est question. Si aujourd'hui, on n'interroge pas les gens que le professeur Moïse Kamto a choisi pour représenter le MRC en Europe, qui ne sont pas capables de se lever aujourd'hui pour libérer le professeur Moïse Kamto, même pour organiser des marches, même pour organiser quelque chose sur le territoire camerounais, c'est donc à croire que ce n'est que la base qui puisse faire quelque chose pour le professeur Moïse Kamto? Mais répondez-vous-moi à la question. Ce n'est pas la base qui devrait tout organiser, puisque le parti a des personnes qui sont des sympathisants. Quand on dit sympathisant, ça veut dire quoi? Ça veut dire des gens qui ont de la sympathie pour le MRC. Avoir la sympathie ne veut pas sourire au parti. Non, ça veut dire s'engager dans le parti. Le parti a encore des membres actifs.
qui ont derrière eux, parce que pour être un cadre dans le parti, il faut avoir quand même un certain nombre d'adhésions derrière nous qu'on a initiées. Et puisqu'ils ne sont pas capables de mettre ces gens-là sur le terrain, je m'interroge. Je n'ai pas les mêmes responsabilités qu'un cadre du MRC, parce que je ne le suis pas. Mais si j'ai ces responsabilités, mon devoir fondamental est de faire que sur le terrain au Cameroun, il y a au moins deux ou trois personnes qui soient là, disponibles, pour demander au moins la liberté du professeur Kamto. D'autres cadres vont le faire. On aura résultat au moins 400 personnes qui vont se lever pour que le professeur Kamto soit libéré. C'est de ça qu'il est question. Je crois qu'il y a un problème à ce niveau. Patrick Wembe, bonsoir, bienvenue. Feignant, on va couper ta tignasse de cheveux. Ah, bonsoir à toi, mon frère, bienvenue aussi. Bienvenue. Donc, c'est fondamental que vous le compreniez, mes frères. C'est fondamental. Donc, voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Je vous dis merci une fois de plus de m'avoir suivi. J'ai mis un certain nombre de temps sans plus faire les directs. C'est ma volonté, donc j'ai décidé de réduire au maximum le nombre de directs. C'est important pour moi, c'est important pour la communauté, parce que il faut que vous sachiez qu'il y a un virus qui plane dans l'air. Et ce n'est pas le virus du corona dont je parle, hein. La plupart des Camerounais qui ont commencé cette lutte sont engagés depuis 2018. Et vous savez, il y a un adage qui dit: l'habitude est une seconde nature. Donc, à force de faire des directs, il y a beaucoup de personnes qui sont tombées dans un cercle vicieux où ils se sentent parfois obligés de faire des directs, de dire des choses. Est-ce qu'on doit toujours parler, même quand on n'a rien à dire? Je ne crois pas. On peut se taire. Parce que si ce que vous dites dépasse par le silence, vaut mieux se taire. Et moi, parfois, quand je réfléchis, je me rends compte que ce que je dis, bon, voilà, ça ne dépasse pas le silence, je ferme ma bouche. Je la ferme tranquillement. Je me tais et je reste tranquille. Je suis les autres. J'écoute ce qu'ils ont à dire parce que moi, je n'ai pas à dire. Donc, c'est pour ça que je suis resté un peu replié sur moi. C'était important pour moi aussi. Pour ne pas venir bavarder seulement pour parler. Venir parler parce que j'avais quelque chose à dire. Aussi, de l'autre côté, je vais vous présenter d'ici quelques jours, donc je crois d'ici la semaine prochaine. Il y a des personnes que j'ai recrutées sur la chaîne. Vous avez certainement eu le temps de regarder sur ma chaîne. J'avais lancé un avis de recrutement pour des modérateurs comme moi, des journalistes de formation. Et voilà, j'ai la chance et le plaisir de vous dire que ça a fonctionné. Pour ceux qui demandaient tout à l'heure ce que j'ai fait pour le Cameroun, je n'ai pas fait grand-chose. Mais pour moi, de recruter des jeunes Camerounais ou bien des grands frères, des grandes sœurs du Cameroun, ça ne veut pas dire que je suis leur patron, on est des collaborateurs avec un contrat. C'est pour moi la façon la plus légitime de rendre le métier de journalisme noble. C'est un projet que j'ai et je veux le mener jusqu'à la fin. J'aimerais que parmi vous, ceux qui sont là, qui veulent nous soutenir, comprennent que plus les journalistes sont libres, plus vous avez la vérité. Plus les journalistes parlent librement, plus vous avez de bonnes informations. Pour moi, c'est un métier qui est très important comme l'enseignement. Et je me dis que si les journalistes font leur travail au Cameroun librement, vous saurez même déjà combien de personnes effectivement sont mortes aux eaux. Vous saurez effectivement combien de personnes sont réellement arrêtées quand on fait les marches. Vous saurez les qui volent réellement l'argent des Camerounais. Vous saurez ce qui se passe réellement au Cameroun. Vous saurez même si Paul Biya est mort, oui ou non. Bon, disons s'il y a les preuves même concrètes de sa mort. Parce qu'au Cameroun, il y en a qui sont informés, mais qui ont peur d'en parler. Parce qu'ils sont tenus. Parce que s'ils parlent, ils n'auront plus d'argent. Parce que s'ils parlent, on va les bloquer. Il y a tellement de raisons. Moi, dans mon point de vue, avec le peu que j'ai décidé, parce que ce média que vous suivez, et je dis encore merci, est soutenu par ceux-là qui me suivent, par vous. Il y en a qui viennent parfois dans mon. Tu as dit que n'avait pas de neurones, comment veux-tu libérer continent qui nous. Bon, viens. Donc, parmi vous, il y en a qui apportent un soutien à notre page. Il y a un lien que je mets souvent dans mes directs là. Vous allez voir, c'est Tipeee.
Il y a beaucoup de personnes qui nous soutiennent à ce niveau et ça permet de faire que notre chaîne soit libre. C'est vraiment intéressant. Donc, en fonction de ça, j'ai pu récolter, je crois, près de 135 euros le mois dernier de votre contribution. J'ai dit encore merci. Donc, ça me permet de me libérer, de soutenir aussi mes frais du pays. Donc, il y a deux personnes que j'ai pu recruter. Donc, ces personnes auront un salaire au-dessus du SMIC au Cameroun. Donc, et cet argent entre en fonction de vos soutiens. Donc, pour le moment, je dis merci encore à tous ceux qui nous soutiennent. Je dis à Catalyse Ndike, qui est l'un de nos grands soutiens. Je rappelle ici qu'il donne pratiquement 50 euros par mois pour soutenir la chaîne. Je dis merci encore, vraiment, c'est une action vraiment grande. Ça fait que chaque mois, nous avons minimum 68 euros dans notre compte. Ce n'est pas grand-chose. La base pour moi, c'est si vous pouvez réussir à soutenir la chaîne de façon qu'on ait au moins 100 euros par mois. Là, cet argent permet de faire qu'au Cameroun, nous créions de l'emploi. Je veux créer de l'emploi au Cameroun pour que les jeunes journalistes qui sortent de l'ESTIC, les jeunes journalistes qui sortent de Sciences, de Dinsamba, de Matafin, de partout, qu'ils puissent travailler avec nous. Et les chaînes que j'ai, la chaîne Facebook que j'ai, permet déjà un peu de générer l'argent, mais ce n'est pas grand-chose. La chaîne YouTube que j'ai permet de générer un peu d'argent, mais ce n'est pas grand-chose. Parce que c'est un argent qui vient, ça part en fonction des vues. Par contre, si j'ai votre soutien, si ces gens ont votre soutien, juste en apportant 2 euros, 3 euros, 5 euros par mois, l'argent d'une bière, vous pouvez permettre à ce que les gens aient un vrai travail au Cameroun. Et pas n'importe quel travail, un travail qui vous permette d'avoir des bonnes informations et vous verrez les résultats de ça directement sur cette page que vous suivez. Je crois que pour beaucoup d'entre vous, vous avez pu me suivre depuis 2018 et vous voyez clairement que dans ma façon de communiquer, dans ma façon de travailler, je fais l'effort d'avoir un certain professionnalisme et je fais l'effort quand même de m'entourer des personnes suffisamment professionnelles. Donc, c'est pour vous dire officiellement que d'ici la semaine prochaine, il y a de nouveaux visages que vous verrez dans cette chaîne. Et cette chaîne ne sera donc plus une chaîne seulement à caractère activiste. Je vais vous annoncer l'organisation, l'ouverture officielle d'une chaîne vraiment télé, mais en web télévision. Ça va être la toute première du Cameroun. Parce que la plupart de nos confrères du Cameroun font des émissions qu'ils mettent en ligne. Mais nous, ce que nous voulons faire, c'est une chaîne qui ait des programmes où vous allez avoir des émissions de discussion, de débat, comme nous avons chez nos correspondants, chez nos confrères du côté d'Equinox, ici en diaspora. Vous ne serez plus obligé seulement d'attendre les heures d'Equinox.